Hello à tous, bienvenue sur C0. J'espère que voilà que vous allez bien malgré bon la petite crise actuelle. Il faut être honnête, il y a une petite crise et bah voilà, j'espère que vous allez tous bien. Évidemment avec moi il y a Apu Salut tout le monde. et on a évidemment également Jopa. Salut à tous. Voilà. Et bonne année. Et bonne année, bonne santé. J'ai l'impression que le live n'est Oui. pas commencé par contre en ligne, c'est normal ça? Si, moi je le vois. Toi tu le vois? Donc c'est moi qui ai un bug, bon bah tant mieux, ça nous rassure. Bon, j'espère que vous allez tous bien évidemment en ligne. N'hésitez pas à passer vos messages de bonne Passez année. moi. Ça sera avec un grand plaisir qu'on va les diffuser, comme d'habitude, vous imaginez bien. Donc on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du chat? Attention, je passe en mode chat. Donc il y a Damien qui était super motivé. Go, go, go. Bah voilà, c'est fait. Pas le choix de toute façon. Pourquoi? Parce que j'avais dit, en gros, voilà, hello, j'espère que vous allez bien. C'est la grande forme, malgré le marché baissier. Hello, Yebo. Hello, Mehdi qui nous dit, c'est Black Friday. Hello, Anthony. Hello, GM. Karim, Joris, Fabien, Anthony, ouais. salut Karim. Comment va la team? Nous demande Marc. Fabien. Eh bien, écoute, ça va bien. J'espère que vous avez tous passé évidemment Marc. une bonne année, tout simplement. Moi, une bonne, comment on dit, de bonnes fêtes. Hello Molly. Hello Marc. Et voilà. Audrey Barre. Il y a No Respect qui nous dit salut la Sébastien. cryptosphère. Moribar, exactement. Hello Moribar. Pablo. J'essaie de vous Salut afficher Pablo, tous ouais. en Pablo et parallèle. Marc, on recharge, exactement. Voilà, Pablo, on recharge. Un marché baissier est synonyme d'opportunité de Karim. Et oui. Et bah, du coup, on va en profiter. On va regarder un peu tête. Ah, est-ce que Jopa s'est lancé dans la crypto en même temps que toi? Ça Je joue pas. sais pas, j'ose pas, Pas c'est quelle longtemps. année? Quelle année? Je sais pas, ça fait 6 mois, il est dans la crypto. On de fou. Février 2021. Ah, excuse, j'ai sous-estimé ça à faire maman. Excuse mon pote. Ouais. Ouais, non, moi c'est depuis 2017. Et bah toi c'est pareil, hein, fin 2017 pour toi, hein, c'est ça si je me moi rappelle. c'était fin 2017. T'es au Kazakhstan là. Encore la période de solde. Hello Xavier, meilleurs vœux la team, bonne année. Bah bonne On année à recharge vous ou on se tous. barre, on vous lit. On est perdu les gars, on fait quoi? Et ben on On va en charge parler ou de on toute se façon, barre? hein. Je pense que ça va être la soirée justement où on va parler de tout ça. Alors, Je pense qu'au lit, il faut faire un peu des deux. on va passer niveau navigateur. Bon, c'est pas très joli, hein, clairement. Donc ça, c'est la fameuse courbe du Bitcoin. Après, n'oubliez pas, même si c'est pas joli, il y a quand même des opportunités, hein. C'est pas parce que c'est moche qu'il n'y a pas d'opportunité à saisir. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, donc on a complètement pété la tendance qui était une tendance à stabilisation. Bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, avec les 5 bougies rouges, en général, quand il y a 5 bougies rouges, ça remonte pas tout de suite en revanche. Moi, je crois que C'est le Lex. 5 journées noires, je crois que ma rouge, je crois que j'avais jamais vu une montée. Donc voilà. Le Karim P. Et au niveau de l'Ethereum, bah on peut afficher l'Ethereum. Hein. C'est bon, c'est pareil, on va essayer de l'afficher L'Ethereum, sur 6 mois. ouais. L'Ethereum, c'est bien, ça commence à être intéressant. Ouais, 3002, ouais. Ça commence à être intéressant. Après, comme d'habitude, on fait de la DCA parce que autant ça peut repartir demain, autant on peut encore redescendre. Donc, faut pas tout miser aujourd'hui. C'est qui parle en même temps avec Jopa et toi? C'est Apu. Enchanté. Ah. Apu, alias le crevard de la crypto-monnaie. Voilà, c'est le râleur de l'équipe. Voilà, tu le sauras. Hello Karim, plusieurs analystes financiers disent énormément de whales long terme ont accumulé sur la zone des 40K. Bah, on verra. Hein, Bah, y a, tu peux mettre Glassnode. Moi, je l'ai regardé tout à l'heure. En fait, il y a une différence entre Glassnode, où tout le monde dit faut vendre, mais ça continue d'accumuler. Donc, en gros, pour moi, c'est les particules qui vendent et les institutionnels qui continuent d'accumuler. Donc, en fait, ils sont juste en train de faire du cinéma avant de leur faire repartir le prix. Après quand? Parce que, comme d'habitude, pas de boule de cristal. Salut Charlie, merci. Voilà, hello tout le monde de Alex. Un beau beer market qui se profile, comme nous dit Karim. Demain, non, on n'est pas. On est, ouais, après, pour l'instant, tant qu'on n'a pas dépassé les 39 ou les 38, on est toujours en haussier, hein, chez le Bitcoin, on n'est toujours pas baissier. Hein. Bah là, il faut. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, on peut Moi, je pense que c'est réafficher le 39 000 graphe. et quelques, regarde, mais je crois que j'avais regardé sur le graphique, c'était 39 000 et quelques. Là, ouais, Plus en ça ajoute, effet, hein. sur 6 mois, on devrait être au même en dessous de 29 pour être baissier par rapport.
considérer qu'on commence à rentrer dans une période de bière. Donc on est loin encore. Ouais, salut Adri. Ouais, tu parlais avec Apo, Apo il est côté obscur. Ouais, 33, il faut... Là, on dit... pour partir sur vraiment un truc haussier, il faudrait être vraiment en dessous du 29, honnêtement. Pour être considéré en vrai gros bien market. Bon, un gros démarrage de bien market. Là, ça... Par contre, là, ça commencera à piquer, ouais. Donc on verra, Mais est-ce que vous croyez... dites. Hein? Pardon, vas-y, je t'en prie, continue, je crois que tu as fini ta phrase. Non, je dis, t'imagines, un petit Bitcoin à 29, ça ferait plaisir. Ben, c'est quoi, même un Bitcoin à 10 000, on sera encore plus sûr que ça. Comme vous voulez, les gars, plus ça descend, plus je suis heureux. Apu, Alors, c'est indien ou quoi? Moi, je suis Sofiane, tu connais pas les Simpsons ou quoi? Mais je suis un peu plus beau que le vrai Apu. ouais, ça c'est ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il se montre pas d'ailleurs. J'ai acheté du Mimo aujourd'hui, je sais même pas ce que c'est le Mimo. Super travail, continue comme ça, merci. Vive Apu, voilà, et Apu à ses Merci, fans. ça fait plaisir. Allez, Ah allez, bah, juste pour merci Apu. les gars. Ah, j'ai pas le son? Là, Ah. ah ouais, bravo. Et là, vous voyez pas, mais je suis en train de faire un dab en même temps. Casper, alors, aïe aïe aïe, Casper, il tient bien quand même. Ça va arranger quelques mois, ça va être génial. Le Velas est un bon point d'entrée. Bon, bref, pour les photos, on verra. Enfin, pour Pardon? les Ouais. entrées et tout, on verra après. Là, on Ouais, va attends, juste une passer. petite parenthèse. Il y a Karim qui m'a trade le futur. Je pense qu'il va descendre jusqu'à deux liquides, jusqu'à, pardon, sur la zone de liquidité des 18 ou des 20K. Et franchement, Karim, comment j'espère? Ce sera un cadeau de Noël. Ouais, c'est clair. À poulet pissier, Ouais, il va exactement. falloir mettre ses ordres en place. Oh, Alors, bah, de toute façon, c'est déjà fait normalement. Ah, c'est ah beau tiens, ça. Ça bouge bien là. tiens, il y a un truc qui est assez marrant, hop, et qui est assez intéressant. Bear market, ça n'existe plus les gars, à part s'il y a un crack boursier, il y a beaucoup trop de gens qui achèteront avant les 28K. J'en suis pas du tout convaincu, tu vois. Les Bah... gens n'achètent plus quand ça baisse. Les gens, ils ont tendance à Moi, vendre. je pense que c'est encore plus vicieux que ça. Je pense qu'en ce moment, les institutionnels, ils en ont rien à faire du prix. Ils veulent juste virer les particuliers. Je pense qu'en ce moment, c'est même pas une guerre de prix, c'est une guerre des nerfs. Je Ouais, c'est pense qu'ils possible, ouais. essaient juste de virer tout le monde pour avoir la main basse prise sur tout et... Après, ça reste que mon avis, hein, comme d'habitude. Bon, bref, donc là on a... Ah non, là c'est sur la journée, mais on va regarder un petit peu le top 100 sur... Et d'ailleurs, gros, il y a quand même eu un truc assez à prévenir. Les stablecoins ont bougé pendant la semaine, hein. Pendant la chute, ils ont pas tenu, hein, les 1 dollar. Alors ça n'a Ouais, pas duré autant les longtemps. décentraliser, c'est normal qu'ils tiennent pas, mais les centraliser, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est curieux, hein. Bah écoute, le seul qui avait pas trop bougé, c'est l'USDT au final. Tu Pas vois, comme étonné. quoi. Par contre, le DAI et tout, ils ont dû grave s'enflammer là. De toute façon, tous ceux qui étaient décentralisés en stablecoin, ça a dû faire peur à moi. Bon, alors moi j'ai pas vu des chiffres fous, mais ouais, ça a baissé. Ah, moi, je l'avais déjà vu monter le DAI jusqu'à 1,08, je crois. Enfin, c'était pas cette vague-là, mais à un moment, il était monté jusqu'à 1,08. Pour un stablecoin, ça fait cher quand même. Bon alors, au niveau de la semaine, qu'est-ce qu'on a de beau dans le top 100? Ben, on a le SCRT qui a quand même pris 35%, donc tout n'a pas, c'est pas écroulé. Hein? Crypto dans la sécurité, donc forcément ça fait partie des cryptos qu'on aime bien. On a le FTM qui est revenu de nulle part. Ouais. On a ICP qui nous fait un plus 30%, bon par rapport à là où il en était Ouais. évidemment. Comme il l'avait fait diviser par 12 000, c'est pas trop grave. Quel enculade de truc. Le Link plus 38%, le One plus 36%, le RVN plus 16% et le SafeMoon qui est revenu dans le top 100 avec un petit plus 12, alors que normalement on est censé switcher en SafeMoon 2. Bon, c'est la vie. Alors, dans le top 200, qu'est-ce qu'on a de joli? Ah, ça a été plutôt rouge. Le top 200, il a été moins joli. Le Woo plus 11, Poly plus 9, Kava plus 12%. Bien. Plus 21 pour Eni, NFT plus 9, C98 plus 8. Et le Velas qui nous fait un plus 8%. Et tout le reste, par contre, c'est du bien rouge. Hein. Donc, effondrement de Hero, de Sushi, de Wimix. Bon, Wimix, il avait Attends. tellement pump de façon dégueulasse. Dezo qui nous fait moins 25. Top 300, qu'est-ce qu'on a de joli? Ah, Il y a top des 3. trucs jolis dans le top 300. Ouais, c'est pas mal, hein. KP3R, 33%. Le Ouais, Power. je crois. Ouais, vas-y, dis. Ah non, vas-y, je t'en prie, c'est ce que j'avais vu. Moi, j'avais cru voir dans la journée aussi, il y a des trucs intéressants. 3-400, c'était intéressant. Ouais, bah KT 43%. Désolé pour ceux qui croyaient vraiment beaucoup Yoshi, bah là, lui s'est effondré. D'ailleurs, je crois qu'il était dans le top 200 avant, si je dis pas de bêtises.
Le Band plus 10, le KNC plus 19%, le GXC plus 27%, le Biot plus 8, plus 8, le Soul plus 7, ça me dit rien du tout le Soul. Je vois pas ce que c'est le Pas projet du tout. derrière. La LCX plus 21. Après, bon, bah voilà, il y a le Mbox qui se reprend une chute. On a le Joe, oh le Après, Joe moins 27. faut pas oublier, c'est comme d'habitude, hein, dès que ça baisse ou ça commence à devenir un peu violent dans la chute des crypto-monnaies, les gens ils vont commencer à sécuriser sur le top 50, voire le top 10 des cryptos, voire du stablecoin. Ouais. Je suis pas étonné que tout le monde s'est sauvé de peur que ça se prenne moins 50 ou moins 60% sur les petites crypto-monnaies, je suis pas étonné. Alors, Marc, tu nous reposeras la question là sur tes 30 USDT pendant le, je sais pas comment ça s'appelle, pendant le crypto libre, d'accord? À poule épicier. À poule La mini base. marché. Ah, moi j'adore. Le pire, c'est que c'est exactement ça. Je te jure. Eh, le singe! Ah, voilà. Hein? En mèche, ça va être violent. Prochain boulon, on va se remplir Bon. les poches. Des petites idées pour Génopets. Bah, Génopets, on verra ce que ça donne. Hein. Pour le moment, j'ai même T'es pas regardé magique, problème Génopets. de gay. Génopèse, c'est les gaming encore. Oui, c'est le Pokémon Go qui était sorti sur Bybit. Après, on vous a dit, les gars, comme d'habitude, le problème c'est que trop de jeux tuent le jeu. Donc là, maintenant que c'est devenu un peu la mode, bah, il va falloir attendre un peu que ça fasse la sélection naturelle pour se remettre dessus, je pense. Mais soyez patient. Alors, n'oubliez pas, sur toutes vos questions qui sont pas liées au déroulement, là on est sur la météo, on le traitera en crypto libre. N'oubliez pas, hein. On ne peut pas répondre à tout en même temps, donc gardez vos questions, posez-les de côté, et puis vous les reposerez au moment du crypto libre et on verra tous les sujets qu'on peut avoir. Ça marche? Bon, c'était quand même une semaine pourrie, hein, il faut le dire. Franchement, non. Elle a piqué bien fort. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je suis désolé, après, elle pousse un shorter. Donc, moi, la semaine, je l'ai plutôt apprécié. Après, bah, ouais. Je suis meilleur pour avoir les prix qui tombent que les prix qui augmentent. Donc, après, bah. Bon, Ouais. ça va. On a connu pire. Ah, c'est vrai que par contre, il y a eu des recharges super intéressantes. Après, il y a quand même des. Il y a quand même des. Alors, il y a des cryptos qui ont bien survécu parce que si on va du côté du. Comment il s'appelle? Y a Karim qui dit que ça bug. Ah, ça bug? Ouais. Ça doit devoir faire un redémarrage peut-être. Plus de son, non. Chez moi aussi, plus de son bug. Ça bug au niveau du son. Faut que tu regardes ton son, je dis. Alors, je regarde. Pourtant, le streaming envoie bien, donc c'est un autre problème. Ah, c'est chiant ça. Trop de trucs. Bienvenue dans le direct, les gars. Le PC qui gît pas, il va falloir attendre les 40 000 pour le remplacer, les gars. Ouais. Ah, bien oui. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bien joué, je veux pas être grave, celle-là. Non, bon, on va essayer de fermer des trucs. On va voir ce que ça donne. Vous avez pas dit, les Bon, gars, cette j'espère que ça va aller année, mieux. fin de l'année, on voudra bien 40-50 000 abonnés. Hein. Va falloir bosser, les gars. Est-ce que vous nous entendez peut-être un peu mieux là ou pas? Sinon, il va falloir que je ferme des choses sur mon navigateur, malheureusement. Pas le choix. Parfois, c'est ça aussi, c'est le navigateur, j'ai trop de trucs ouverts, moi. Bah bon, bah c'est pas grave, hein, je vais fermer. Bouge ta souris là sur le train view pour voir. Ça marche ou pas, les gars? On est bon? Vous êtes revenus? Vous nous entendez? Salut Lermine, salut JCR, Alors nous, ça lag encore? bah, il faut attendre un peu, nous, du coup, parce qu'il y a un décalage, forcément. Attends, mais moi du coup je vais quitter la vidéo, je vais la reprendre pour les lectures. Les aléas du direct. C'était pas bien commencé 2022, c'est normal. Oh, c'est pas grave, je suis en train de fermer des trucs et puis bah on espère que ça va s'améliorer. T'as trop de fenêtres ouvertes. Ouais, bah ça doit être ça, hein, je pense. Hein. Est-ce que ça va mieux, les gars? Est-ce que vous nous entendez mieux là? Le son nickel, mais l'image floue. Ouais. Là. Ça a changé de problème. Ça, c'est de mieux en mieux. Ouais, bah, je pense que c'est ça, c'est parce que j'avais trop de trucs sur Google Chrome d'ouvert. Bah, Ouais, tu peux pas miner, faire du farming et tout en même temps. Si, c'est pas bien. Bon, j'espère que ça Ouais, va aller c'est mieux, ça, j'ai fermé regarde. plein de Ça se trouve, c'est choses. le bat qui était ouvert. Ok pour moi, salut tout le monde, c'est ok pour moi. Ok, on est revenu, c'est bien. Bon, bah j'ai Ça fermé va, plein de trucs, Damien? j'espère que ça va aller mieux.
C'est de ma faute. Moi, quand je fais du Google, je le fais massivement, comme un idiot à chaque fois. J'ai toujours 3000 onglets d'ouvert. En tout cas, bon, n'oubliez pas de liker, les gars. Hein. Je sais pas Ouais, c'est ce que combien. j'allais dire. Il n'y a pas beaucoup de pouces bleus, les gars. Ouais. C'est pas très sérieux tout ça. Ah, fou, t'as pas de wifi dans ton mini-marché ou quoi? T'es fou, j'ai la fibre, Sofiane. Je suis loin dans le game. Il T'es en. obligé d'avoir la fibre pour faire du futur, Sofiane. Sinon, tu peux pas faire du futur. Eh ben, ça charrie le pauvre. Le graphique est rouge, c'est normal. Oui, ça, c'est normal. Elle est énorme, celle-là. J'adore. Le graphique est rouge, c'est normal. Ok, bon, c'est très bien. En tout cas, c'est revenu. Allez, pour le plaisir, à poutre, à le wifi, hein, évidemment. Tac, tac, tac. Il y en a encore qui arrivent, c'est bien. T'es sûr que t'habites pas au Kazakhstan? Bah non, parce que sinon, je pourrais même pas faire le live. Il n'y a plus Ouais, d'électricité, les sinon on gars. aurait pu. Si, ça dépend si c'est Apu qui fait le vélo derrière. Dynamo, mon gars. Puis là, il rame un peu, hein. Il se bouge pas trop, le Apu. C'est pour ça que Joko n'entend pas. Il est obligé de faire pédaler lui les petits pour miner le Bitcoin en ce moment. Ouais. Hey, par contre, celui qui a pris cher, c'est. Oh là là, le sol, hein. Pas de problème, d'image. Merci Daniel Mendes, meilleur vœu à l'équipe, meilleur vœu à toi et meilleur vœu à tout le monde aussi. Ouais, meilleurs vœux à vous tous. Alors, qu'est-ce que vous pensez du marché? Vous pensez que la semaine prochaine, tout est vert ou pas? Franchement, non. Moi, je pense que c'est rouge C'est encore. février, mi-février, moi. Il y a Javier qui dit je recharge du CIL. Bah, t'as bien raison, Javier, moi aussi j'ai fait que ça. Ah, le Je CIL, passe, ouais. ça des Bah oui, on futurs s'est aussi. Ouais, régalé. je passe un psychopathe des futurs. Ah ouais, le CIL, ça a été un régal, là, cette semaine. Ça a été une Ouais. super semaine. Aller-retour plus recharge illimité. Ah ouais. Ah ouais, ça a été déjà. Là, ça a été le cadeau de la semaine. Ça, c'est clair. Mais bon. Bon, après, niveau. Bon, on verra ça après, de toute façon. Mais bon, le sol s'est pris une sacrée claque, hein, quand même. Hein. Il se fait une semaine à Franchement, moins 18%. moi, je vais pas vous mentir, hein, tout le monde le sol, tout le monde kiffe le sol. Moi, comme je dis aux gens, étudie un peu les validations de contrat. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont bizarres quand même. Bon, après, c'est mon avis, mais Moi, je je sais pense qu'il pas. Moi, ça tiendra m'a pas le mal top passé au 10. lana, en tout cas. Moi, je J'étais pense. déçu, en fait. Ouais, et moi, je pense qu'il tiendra pas le top 10. Je pense pas du tout non plus. Je pense qu'il y a d'autres cryptos qui vont. Enfin, d'autres blockchains qui vont arriver et qui vont prendre la place. Là, franchement, le sol, il y a trop de problèmes. Le DDoS, c'est pour un truc décentralisé, c'est quand même super inquiétant, je trouve. C'est que c'est pas très décentralisé. Bref. Le CIL gratuit. Ouais, c'est un bâtard, Imad. J'ai vu, je voulais pas couper. Je dis, c'est pour ça que j'attendais. Eh, Ah Imad, non. plus c'est gratuit, plus on aura du CIL. Comme Allez, ça, dans 2-3 ans, on ira boire je te champagne. mets toutes les charriages d'Apu, moi je. Voilà, c'est Je suis obligatoire. fan. Même moi, je suis fan. Moi, je dis fin janvier, on est à 50K. Ah, Marco, tu t'avances un peu. Hein. Fin janvier, c'est dans pas longtemps quand même. 50K, pourquoi? Pour fin janvier, il a dit à Marco pour le BTC, à mon avis, c'est 50K l'Ethereum, mais moi, je suis chaud. Ah ouais, tu le reverras à monter. Moi, non, Pas honnêtement, aussitôt, moi. ça serait Fin janvier, ça me paraît un peu impressionnant. court. Ça serait honnêtement, moi j'ai vraiment regardé la courbe, mais à chaque fois que tu as 5 journées rouges, on n'a jamais eu de remontée juste derrière. Ça a toujours été après une descente un peu basse, enfin, un peu plus lente, mais une descente. Honnêtement, j'ai même pas le souvenir qu'il y ait eu 5 jours rouges et que ça repart directement en vert. Il y a Karim qui dit la même chose, Karim Trade Future, il dit pareil, il dit il voit pas remonter avant février non plus. Bon, après, c'est comme d'habitude, on dit ce qu'on pense, hein, on n'a pas de boule de cristal, sinon on serait déjà tous riches. Pas grave, on prendra short, hein, Karim? Casper, dans le top 10 d'ici 10 ans. Eh, ça serait d'ici 10 ans, il n'y aura plus de crypto, Khalid, on sait pas là. Par contre, tu t'es projeté grave loin, toi. Dis-moi, Ouais. quand je me projette 2025, les gens me disent t'es fou, mais toi, 10 ans, t'es encore 2 fois plus fou que moi. Alors, faut pas oublier une chose, hein, en 2026, il y a la menace quand même des pour les cryptos, hein, aujourd'hui, il Quand? faut de quoi, pardon? Non, vas-y, vas-y, c'est toi. Ouais, il y a la menace pour les cryptos où les wallets pourront être cassés. Donc aujourd'hui, il faut vraiment changer tout le système pour 2026. Bah, ouais, mais au final, ils sont en train de casser le délire de la crypto-monnaie. C'est comme quand ils disent dans MetaMask qu'il faut s'identifier. Bon, en fait, le but, c'est d'être anonyme. Si on s'identifie, en fait, la crypto ne sert plus à rien. Ouais, c'est pour que ton wallet, il y a ton nom devant ton wallet, je vois pas en fait ça sert à quoi au final d'être discret, du coup t'es plus du tout discret. Ouais, alors c'est pas que pour ça, hein. C'est quand même des actifs malgré tout. Ça peut Ouais, c'est tenir quand même en des étant des actifs, mais bon, actifs. c'est pour le.
Ça casse un peu le truc de la crypto-monnaie, je trouve. Ah, il y a tout le monde est fan du Casper et le Velas aussi qui arrête pas de faire Ouais, parler. j'ai vu le Casper, elle a beaucoup. Eh les gars, 46 pouces, 92 la vidéo. 100 à la vidéo, les gars, on a la bourre dans les pouces bleus, là, faut y aller. Jopa? T'as sorti le fouet, Jopa, pour les pouces bleus, là? Juan Velas, Casper vont bouffer le sol. Bam, ça c'est fait. Cana, il a du potentiel. Peut-être même cette année, le Casper dans le top 10. Bah, Il y a 13 franchement, yeux, c'est Mousseline, possible. allez liker, les gars. Sofiane, t'es un salaud. 50K d'abonnés. Mais ouais, il faut qu'on y aille, les gars. C'est pour ça. Là, on est loin encore. Hein. On est à 20, Et 20,5 ou on a peut-être passé les ouais, on est en train. 20,6. Il y a moins de monde en plus en ce moment-là. Ça baisse. On l'a vu. Il y a un peu moins de. Il y a des gens qui commencent à quitter l'univers des cryptos. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut quitter. C'est à ce moment-là qu'il faut venir. Exactement. Ça, j'ai Il y a toujours trouvé ça. Wilfried qui marque le site, c'est si bien que ça. Bah, on t'invite à aller lire, ça s'appelle XLS Lab. Je t'en prie, Wilfried, va jeter un petit coup d'œil et tu nous diras quand tu auras lu ce que t'en penses. Ouais, on a des fans aussi. Setama, I love you, Baby Doge. Ah ouais, toi t'es à fond. Ouais, ça par contre, les gars, ouais, toi t'es un shitconner, toi. Alors, elle n'empêche que. Tiens, ça peut être intéressant, mais n'empêche que celui qui a le moins chuté, qui est plutôt propre, eh ben c'est le Shiba. Au final, le Shiba, la courbe est pas dégueulasse. Ben, il est toujours en période baissière. Mais par rapport à tous les autres, franchement, tous les autres du top 10, ils se portent plutôt pas mal, hein. Ouais, vous ne voyez pas encore la courbe, mais le pire, c'est qu'il n'est pas. Voilà, Le Medimaza. il s'en sort. Lui, franchement, il s'en sort plutôt bien niveau casse. Alors, Baby Doll, je crois qu'il avait monté dans la semaine. Après, je ne sais pas où il en est. Bon, on peut faire un tour, mais. Baby Dogecoin. Ah bah là il a bien chuté aujourd'hui par contre. Hein. Mais lui c'est vrai que lui il avait fait effet inverse, il avait monté, puis là il a chuté, il a repris moins 17. Setama, allez histoire de. Setama, moins 10% aussi aujourd'hui. Alors il y en a qui pensent que les Dodge sont tous morts, hein, pour info. Hein. Moi Ouais. je vous dis juste ça, mais il y en a qui pensent qu'ils ne remonteront jamais. Voilà. C'est pas pour faire peur. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir faire ça. Hop! Waouh! C'est fait. Iris, sa plus belle perf aujourd'hui. Iris, on en avait déjà parlé, c'est quoi déjà? Lequel? Je me rappelle plus. Iris. Iris? Ouais. Ah oui, ça me dit quelque chose. Bah, c'était pas Miss Monde ou un truc comme ça? De 8 centimes à 14 centimes. Ouais, bah lui aujourd'hui, j'avoue, il a fait quasiment un fois deux. C'est pas faux. Ah, les États veulent réglementer et limiter la décentralisation. Bah oui, sans blague. Bah quand tu vois que le Kazakhstan, ils ont coupé Internet, je pensais vraiment pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible de nos jours de pouvoir couper Internet dans un pays. Bah, c'est pas Internet qu'ils ont coupé, hein. C'est l'électricité. L'électricité? Ah ouais, directement, Donc ok. plus d'Internet. Mais non, c'était l'électricité. Mais oui, tu peux couper Internet dans les pays. Tu coupes les antennes en fait, grosso modo. Ouais, je sais pas trop comment ils font. Hein. S'il faut un expert là-dedans. Cana, futur top 20. Vous pensez quoi du taux d'inflation aux États-Unis? Vous pensez vraiment que l'inflation va pas tuer le game pour cette année? Non, l'inflation n'est pas Juste. mauvaise en soi. Le problème là, c'est que en fait, ils ont augmenté les taux d'intérêt parce que l'inflation a augmenté trop par rapport à ce qu'ils voulaient. En fait, ils avaient misé sur 2% d'inflation sur le dollar et ils se sont aperçus qu'ils sont arrivés à 6, et quelques. Et s'ils remontent les taux d'intérêt, c'est pour essayer de calmer le jeu, pour repartir sur une inflation à 2%. Mais ça n'a pas forcément marché. Mais en fait, ils essayent de contrôler l'inflation en faisant ça. Du coup, est-ce que ça va tuer? Non, l'inflation ne va rien tuer. Les taux d'intérêt, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une période assez difficile. Et puis après, bah, quand le mal sera passé, bah, ça repartira. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas se leurrer. Quand tu t'habitues à un taux, bah, au bout d'un moment, tu repars et tu réinvestis. Hein. C'est juste une peur sur le moment. Donc les marchés ne vont pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Au contraire, ça va être des opportunités pour vous. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. Faut pas craquer. Le truc en fait, ça joue vraiment sur le moral. Donc, et encore là, vous venez d'arriver, vous avez pas connu des grosses chutes. Je parle pour tous ceux qui étaient là 2017-2018. Il n'y avait pas autant de pubs non plus, autant de monde. Là, on a vraiment subi.
Mais maintenant, avec les gens qui sont rentrés, les institutionnels et tout, et puis le temps que les gens ils ont s'éduquent un peu mieux qu'avant, parce qu'avant c'était plus difficile de s'éduquer. Moi je pense qu'une fois qu'on a déjà perdu je sais pas combien, on a quasiment perdu 1000 milliards déjà, donc est-ce que c'est le moment de quitter le bateau ou c'est peut-être un peu trop tard? Après, bon, on verra bien, de toute façon c'est comme d'habitude, hein. Il y a que ceux qui vont persévérer que ça va marcher. Attends, excusez-moi, du coup, j'ai les petits, je reviens tout de suite. Ah tiens, question de ouf. Avec Starlink, il y a pas moyen de couper Internet, non? Bah si, il suffit juste d'utiliser les lasers là, qui détruisent les satellites et il n'y a plus de Starlink, hein, ça peut aller très vite. Les armes aujourd'hui, elles existent en tout cas pour le faire. Bon, après, le problème, c'est que c'est une désactivation qui se remettra pas. Non, en fait, il y a même des armes aujourd'hui qui permettent en fait de créer des champs électromagnétiques qui arrêteraient tout simplement l'Internet sans même passer par une coupure d'électricité. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, aujourd'hui, s'ils veulent arrêter, ils peuvent arrêter. C'est pas un souci. Ils seront meilleurs que nous là-dessus. Meilleurs vœux à toi aussi, le magicien. L'inflation va favoriser l'univers des crypto-monnaies qui sont par nature déflationnistes. Ben non, pas du tout. Pourquoi elle serait par nature déflationniste? Non, au contraire, tu as beaucoup de crypto-monnaies qui sont inflationnistes, hein, les plus grosses. Bitcoin, bon, Bitcoin, elle est inflationniste, mais avec un maximum. Ethereum, il est inflationniste, sans maximum. BNB, par contre, il l'est pas. Je crois que BNB, c'est l'inverse. Ouais, ça y est, ils ont changé. Il n'y a plus le burn général comme ils faisaient avant. Maintenant, c'est burn sur transaction un peu à la Ethereum 2. Y a quoi d'autre? Non, y a la plupart des grosses blockchains, elles ont plutôt tendance à être inflationnistes. Ah, tiens, c'est quoi un shitcoin? Ça, c'est une sacrée définition, les gars. Ta, Ouais, c'est ta, simple, ta, hein, c'est un projet où il n'y a pas de fondamental derrière. Voilà, c'est un projet où il n'y a pas de projet, en fait. C'est uniquement basé sur du communautaire, donc sur un nombre d'abonnés, de machin. Après, ils commencent à envisager de faire des projets derrière quand ils arrivent à récupérer pas mal de fonds pour ceux qui sont motivés. Un shitcoin, c'est voilà, un token qui n'a rien derrière, strictement rien. Certains mettent aussi maintenant les tokens de farming derrière, en shitcoin aussi parce qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Alors, eh ben, je pense qu'on a fini. On va peut-être passer aux actualités. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? On est 114, il n'y a que 58 likes. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est pas acceptable. Il faut liker. Moi, je vais vous trouver une icône de like, hein, je vous le dis. Une image, il faut Allez, liker. allez là. Faites-vous plaisir, les gars, c'est gratuit. Et j'espère que vous êtes tous inscrits, hein. Sinon, je bloque qu'aux abonnés. Ah mince, je trouve pas d'image. Vous avez de la chance. Voilà, likez, bing. On like les gars. Ah, oh, j'ai fait une bêtise. Voilà, regardez, regardez, hop. Il faut liker, 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 liker. Et si vous likez, et si on arrive à 75, eh ben Jopa, il vous fait une chanson. Une chanson sur la crypto. Hein, Jopa? Allez, likez les caps, moi j'ai envie de l'entendre la chanson de Jopa. Ah, il est parti en plus, je vois pas. Non. 75. Allez, ça y est, 75 dépassé. Dès que Jopa revient, on le fait chanter. Alors, je pense que Shiba n'arrivera pas à 1 cent cette année, ni l'an prochain. Ouais, et puis probablement jamais. Désolé. Moi, je vous dis, 3 semaines, c'est long. Et fin janvier, on sera à 50K. 8K en 3 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais pour ça, il faut que ça reparte à la hausse. Mais on verra. Hein. Mais pour le moment, on est plutôt sur une proba à la baisse. Comme Baby Doge, va te renseigner plus de 1 million de holders. Bah ouais, il y a énormément de holders. Mais par contre, bah, le truc ne sert à rien. C'est exactement la définition du shitcoin. Il y en a qui sortent, hein, par contre, le SafeMoon, honnêtement. Aujourd'hui, ça devient délicat de le mettre dans le shitcoin, mais il s'est lancé. Bon, alors après, comme je dis, moi je trouve qu'il a une particularité, c'est qu'il a lancé une nouvelle mode et aujourd'hui, il a entraîné plus de la moitié des coins qui sortent. En fait, ils suivent un peu ce qu'avait lancé SafeMoon. Mais aujourd'hui, leur wallet, il déchire. C'est un des rares wallets où tu peux l'utiliser sans jamais passer par un exchange. Tu peux acheter directement ta crypto dessus. Moi, je dis, ça roxe du Sympa. poney.
Ouais, ils ont réussi à s'émanciper un peu de la vision shitcoin. Ils ont travaillé pour en même temps. Ouais, et le wallet est bien. Franchement, il est en cours de test de mon côté. Ils ont fait du sacré boulot. On me dit, attention, on me dit que Rakoros, il faut qu'on le shoot. Tu peux nous le shooter, s'il te plaît? Il nous dit, on doit liker sur j'aime pas. Fripouille. On a 85 likes. Ouais, mais on attend que Jopa revienne, les gars. Ah bah ouais, on a l'intention que Jopa nous fasse sa chanson, hein, je vous le dis direct. Hein. Ah bah attends. Une souris verte qui courait dans la Non, merde. mais sur les cryptos. C'était ça, on s'était engagé sur une chanson sur les cryptos. Mais après, tu peux prendre la même avec des paroles crypto. D'accord, ça marche. Bah, j'y travaille pour le travail. Là là. Salut tout le monde, c'est Mozira. Jopa fait du Jodassin. Voilà, notre ligne 4 revient. Jopa, il est jamais là. Bam! Oh, et ça, franchement. C'est beau. Osira, t'as pas lâché ton pouce bleu. Alors, j'ai une news, c'est Mehdi qui nous donne la news. À 75 likes, Jopa, il chante et Apu, il offre 100 $ d'USDT en giveaway. Alors, C'est chaud là, ouais, vous m'avez perdu là, t'as parlé d'impôt d'argent. Tiens le commerce, il tient les comptes, hein, et il distribue pas les comptes. allez les gars, je vous propose qu'on passe aux actualités. Bon, il y a un certain nombre d'actualités. Eh ben, on passe aux actualités, on se retrouve tout de suite. N'oubliez pas de vous inscrire et évidemment de liker la vidéo si vous n'avez pas liké parce qu'il n'y a que 93 likes. Allez, à tout de suite. Voilà, nous revoilà avec Jopa. On va vous dire les actualités. Apu revient tout de suite. Jopa, t'as des belles actus pour nous ou pas? Oh, t'en as parlé aujourd'hui lors d'une vidéo, Samsung qui débarque dans le métaverse. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, franchement, c'est un bon début. Ouais, ça peut. Nanana, ça va être une tuerie, je pense. Mais après, quand tu vas regarder, en plus. Quand tu vas regarder, alors je vais essayer d'aller chercher la page, mais je crois même que en fait t'as plein de trucs qui sont en cours. Hein. Là on a dit Samsung parce que c'est un gros, mais il y a plein de gens qui essayent de rentrer dedans, des partenaires pour Il y a déjà Adidas. de quoi? Ah Il oui, me il y a eu semble qu'il y a Adidas, il y a Nike Adidas. aussi qui s'était intéressé. Adidas, ça fait un moment, par contre, ils voulaient faire un truc avec des bonhommes habillés. Je suis pas sûr que c'était vraiment un jeu. Je crois qu'ils voulaient rentrer dans un métaverse, mais pas créer leur métaverse à eux. Ouais, donc ouais, c'est clair que c'est Ciao le Crypto Gang. C'est quoi ça? J'ai dû louper un épisode. Ok. Donc pour Apu, 75 $, c'est une goutte d'eau dans son océan de richesse. Mais ouais, Apu, tout le monde le sait, il est déjà multimillionnaire. Et regarde Apu, t'as des fans, t'as des fans. Il est où Mais tu... Apu? On veut Apu! Ouais, je reviens, les gars, il faut coucher les petits en fait. Apu, il est milliardaire en problème d'enfant, mais pour l'instant pas sur le compte en banque. Il a même pas sa maid. Il aime pas ça. Il préfère tout faire lui-même. C'est. Les petits, ils ont plus de crypto que moi déjà, c'est trop ça. C'est un peu comme les. Tu sais, t'imagines ton gosse, lui, il a pris de l'Ethereum, toi, t'as pris de l'ICP, quoi, tu vois. Putain, là. Tu rigoles, mais déjà, moi, le grand, il fait un peu de crypto-monnaie. Déjà, il avait acheté du Polkadot entre 5 et 7 $. Ah ouais, bien. Bon, tant qu'il n'a pas acheté du Bitcoin à 60K, ça Je va. sais pas, mais si, mais il avait pris l'ICP à 180 $. Je lui dis, tu fais une bêtise. Il va faire, non, on m'a dit c'était bien. Je lui dis, bon, bah, prends ton Redpeg. Et en fait, il avait pas regardé la définition avant. Bon, en tout cas, en ce Merci, moment, mec. alors autant la semaine dernière, c'était. Waouh, ils sont tous beaux, les chibous, les machins. Cette semaine, ils sont tous déchaînés, les médias. Ouais, le Dogecoin, il va mourir. Il s'est effondré. Bah ouais, mais bon, tout le marché s'est effondré en fait. C'est pas le Dogecoin, les gars.
Donc, Ah oui, parce que le Dodge, il a eu des bonnes news la semaine dernière, je crois. ouais, ce que je dis, la semaine d'avant, ouais, ça s'est bien passé, mais là, c'est vrai que cette semaine, bon, c'est, il fait pas un C'est beau score. général. Ouais, mais c'est C'est général, général. toi, les mecs qui disent que qu'ils vont tous mourir, là, ils sont tous déchaînés, là. Numérama, le cours du Dogecoin s'est effondré. Est-ce la fin de cette crypto? Bing. Pareil, le livret s'est déchaîné. Trois raisons pour se débarrasser de vos Shiba Inu. Ah, ils sont chauds de night là. Dès qu'il y a une baisse, alors que il y a une semaine avant, ils disaient waouh, il faut acheter du Shiba Inu, c'est voilà, c'est la classe quoi. Non, mais on va les afficher, Manipulation c'est de tellement beau. marché. Ils ont pas tourné. Donc les raisons, c'est ils ne se distinguent pas de la masse. Bah, il a quand même le Shiba Swap, ils sont en train de faire le Shibarium. Alors après, on verra ce que donne cette blockchain de niveau 2, mais on peut pas dire qu'ils font rien. Après, pour le moment, le Shiba Swap, il est réel, hein. Il existe vraiment. Bon, il est bof, moi je trouve au niveau de qualité, il y a pas mal de bugs, mais voilà, le truc est quand même fait. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Un potentiel de gain limité, bah ça on sait pas, en effet. Oui, aujourd'hui forcément, c'est forcément limité. Et la croissance des rivaux. Et dans les rivaux, ils mettent Ethereum, Cardano, Solana. Bon, bah, ils ont rien compris aux cryptos, c'est bien. Au moins, le livret, ils sont bons. Ils ont toujours rien compris aux crypto-monnaies. Non, mais c'est. Et la semaine d'avant, je me rappelle plus ce qu'ils disaient, mais ils disaient, waouh, le Shiba, voilà, c'est la crypto à avoir, ça va exploser. C'est les deux personnes de la boîte qui ont dû écrire deux choses différentes. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news, t'en as à nous partager? En tête, on a eu le trésor qui a été listé cette semaine. Ah, le fameux trésor. Ça n'a pas été une réussite, il faut le dire. Alors, ouais. Je ne sais pas si on en a déjà des graphes du trésor d'ailleurs. Non mais attends, je fais une petite parenthèse, j'ai l'impression qu'il y a toutes les ICO qui couillent un peu, hein. C'est pareil, Winkyverse, j'ai entendu, il y en avait qui n'avaient pas encore leur token non plus. Ah ouais, il n'y a pas un seul ICO qui s'en sort bien, hein, faut être clair. Mais là c'est plus un problème de résultat. Là, c'est vrai que le Trésor, il était à 0,025. Là, il a chuté à... il a combien là? Là, il a 0, il est à 1,6 centimes alors que le minimum pour l'acheter, c'était 0,25, c'est ça? C'est même pas ça le pire, je crois, c'est qu'à la base, il devait être listé à 10 centimes et il y a eu un problème où en fait ça atterrit à 1 au lieu de 10. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des tokens à 1 centime au lieu de 10 centimes sur Probit. Ouais, mais après ils l'ont remonté, non? C'était pas eux qui avaient remonté le token à... Je sais pas. Bah je sais pas alors. Ouais. Mais en tout cas, bon, c'est pas terrible. Mais j'ai l'impression que Probit, à chaque fois qu'ils font un listing, ça marche pas bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression que ça brille souvent quand même. Hein. C'est pas pour les casser. Ouais, Hein. Probit, oui. Je sais pas si vous sur le chat vous avez des trucs autour de ça. Mais moi, dans ma tête, c'est bof bof quoi. Je suis de retour, désolé. Alors, listing. TR3, le listing un peu merdique. Vous avez le droit d'y aller. Allez-y, les gars. Bah, le Kazakhstan, on en a parlé, Mozira, de tout à l'heure, pour la grosse chute. Donc, les grosses chutes, hein, c'est simple. On a fait une vidéo, allez la voir. C'est la crise au Kazakhstan et c'est une crise géopolitique. Et derrière, également, évidemment, la Fed. Qui annonce qu'elle va monter les taux directeurs dès le mois de février, c'est ça? Mi-février? Ah non, mars, pardon. Trésor, déception pour l'instant. Uniswap, j'espère, si ça va marcher. Avant Uniswap, il y a le 9, donc dans 2 jours. J'espère que ça va faire quelque chose, mais il y a aussi BitTrue. Mais moi, je ne connais pas BitTrue, je ne sais pas du tout l'impact que ça a. Donc voilà. Ah, le TR3, la team n'a pas fait, ont pas fait le taf. Bah, ça peut être pas mal que tu nous dises si tu as des infos. Et c'était 0, oui, c'était 2,5 la première phase qui a duré jusqu'à décembre. Et ensuite, c'était 5 centimes juste le mois de décembre. Donc, oui. J'hésite à vendre mes Wintiverse pour mettre sur Multivac. Mais Winti, il était à combien? J'arrive plus à me rappeler, moi. Mais nous, moi, je les ai pas reçus, hein, les tokens Winti, d'ailleurs. Et l'Ultivac, gros projet, hein. Je sais pas c'est qui a accepté des dollars en même temps, je réponds aux messages sur les autres réseaux en même temps. Mais l'Ultivac, moi ça fait un moment que je suis dessus.
Après, faut juste regarder pour rentrer sur des bonnes targets. Vous jetez pas la tête sur le projet. Faut analyser un peu, mais je pense qu'en 1 ou 2, ça peut être un bon projet. J'ai la chienne qui fait du bruit. C'est bien. Il était à combien le Wintiverse, le token? J'arrive plus à me rappeler. J'ai un trou de mémoire. Bitrou, c'était ce matin? Ah merde. Je croyais que c'était le 9, moi. Non, non, Bitrou pour le TR3, moi je croyais que c'était le 9. J'ai rien compris, quoi. Ok. Ah, j'avais compris le 7, moi. Pour moi, c'était le 7 déjà, c'était pas le 9. Ah bah ok, bah désolé, c'est moi qui fabule, les gars, je suis désolé. C'est moi qui vous dis n'importe quoi. Pour moi, c'est double à penser. Hein. Bah, c'était aujourd'hui, on écoute. Donc, tu disais quoi? Tu disais quoi au niveau du Wintiverse? Il était à combien? Il y en a un qui se rappelle là sur le chat à combien était le Wintiverse? Là, aujourd'hui, il est à 1,7 centimes. Mais il me semble qu'il était en dessous d'un centime, non? Je cherche actuellement. Là. J'arrive plus à me rappeler. J'ai vraiment le trou de mémoire. C'est dingue, ça. Bon, c'est pas grave. Arrêtez de faire des shitcoins, là. Baby Dodge. Là. N'oubliez pas, nous, on choisit les messages qu'on affiche, les gars. Il était à 3,06. Le premier round. Il faut mettre Saturne sur Tétan, il cartonne. Tétan, il s'est effondré aussi, hein, les gars. Il effondrait de fou. Hein. Ah ouais, il a divisé par 10, hein, le Tétan. Hein, nous, dis, tiens, on avait bien kiffé. Au début, on s'était motivé à faire une équipe, mais finalement, par manque de temps et par vie de famille, on n'a pas pu faire l'équipe, mais c'était bien dommage quand même. Ah non, pas par 20, j'exagère. Pas par 10, j'exagère. Il s'est effondré par 5. Regardez la courbe. Ah oui, je vous l'affiche pas, pardon. Regardez-nous la courbe. Ça pique un peu quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, Tétan. Alors nous, quand on en avait parlé, il était qu'à 2$, mais bon, on s'attendait, nous on espérait vraiment qu'en fin d'année, il puisse peut-être monter à 70$ au final. Bon, début d'année, 4$, non 5$ on va dire, parce que 4,96$. Bon, ça... Le round 3, il était à 1 centime, le Wookie. 1 centime, ah, on est quasiment au prix de la... Oh là là, de l'ICO, donc en fait, c'est pas terrible non plus. Ça, hein. Mais c'est surtout même pas en une semaine ou juste le jour même ou en deux jours, quoi. C'est pas terrible du tout. Mais bon, moi, j'ai toujours le même problème. Hein. Tout le monde me dit c'est un truc sûr et tout, mais je vois toujours pas le rapport avec le robot et le reste, quoi. Ouais. J'ai toujours du mal à comprendre le truc, je suis désolé. Hein. Moi, je suis un peu perdu sur ce projet-là. Voilà, round 3, 0... Ah non, 0,12 centimes. Non, attends, vous dites toutes des trucs non, différents. Non, c'est pas 0,12, c'est 1 centime 2. C'est pas 12 centimes qu'il y a. Ah ouais, c'est 1 centime 2. C'est 1 centime 2. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il est quand même un peu au-dessus, mais au final, bon, c'est... voilà, je vous affiche tous. Merci à tous d'ailleurs pour la réponse, d'avoir envoyé la réponse. Ouais, ça pique. Que pensez-vous de... désolé Benji, qu'en pensez-vous de Galéon? C'est pas plutôt que pensez-vous de Galéon? Ouais, enfin, on s'est compris, ouais. Bah, je sais pas, il y en a plein qui... J'ai vu, il avait fait une vidéo il y a pas longtemps aussi, Rod tous en cas dessus. Il y a des trucs qui étaient un peu louches où ils comprenaient pas pourquoi ils avaient besoin d'autant de sous pour faire un logiciel. Bah, moi, je pense que c'est juste le problème de s'implanter pour que les mecs soient d'accord. Je pense que ça va être dur, faut un peu d'argent au début, mais il a levé quand même quelques points qui étaient pas si bêtes que ça. Bah, pourquoi? C'est pas que des logiciels, c'est qu'il te faut aussi un gros... il faut augmenter pas le patrimoine, mais... il faut augmenter le capital de la boîte parce que pour rentrer dans des gros hôpitaux, au-delà d'un secteur précis, si on veut toucher tout l'hôpital, c'est pas avec un capital de, je sais plus à combien ils sont, 25 ou 45 ans, il va falloir qu'ils montent plus, quoi. Ouais, c'est pas faux. Excusez-moi, je vois juste un message de Kaiser, je coupe vite fait, je fais une parenthèse, il marque pourquoi Atom prend autant. Bah, parce que Atom, c'est du lourd, hein. C'est interopérable. On vit pas sans Atom, de toute façon. Exactement. Non, mais c'est les projets qui sont, entre guillemets, sur la piste, qui disent, enfin, pas nous, hein, mais que tout le monde dit un peu que ça est à la mode, parce que c'est les blockchains sur l'interopérabilité qui vont marcher et un peu sur la sécurité. Après, on verra, mais bon, ce qui est bien aussi, Atom, je crois qu'il a sorti 88% ou 92% de ses tokens, déjà, aussi. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Car... Ah, Mounir, c'est intéressant. Mais on en parlera tout à l'heure de tout ça, mais c'est intéressant. Galéon, faut fuir, ça fait penser au MTO. Ah, écoute, oui, moi, tu sais quoi, le MTO, moi, je l'attends toujours. Hein. Après, bon, je sais que tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je suis toujours en attente sur le MTO. J'ai pas de soucis. Bon, il y a quoi d'autre comme news? On va traiter les news. On verra plutôt tout à l'heure sur la partie qui est vraiment crypto libre. Quelle news, les gars? La Turquie en décembre. 60% des dépôts fiat. Sur Binance. Bien, oui, juste. 60% de dépôt de quoi?
sur Binance en fiat. Ah, c'est par rapport au reste du monde? Ouais. Non, Europe. C'est le reste du monde ou c'est Europe? J'ai cru voir Europe, moi, pas le reste du monde. Bah même Europe, hein, ça serait énorme. À mon avis, les Turcs, ils n'ont pas de quoi égaler tout le reste du monde, à mon avis, sur de l'achat en crypto non plus. Ah oui, checké. Ah, il y a Binance aussi qui rachète plein de Bitcoin aussi. Pas mal. Binance qui rachète plein de Bitcoin aussi. Ouais, ça c'est normal, ils l'ont toujours fait, c'est juste que là, ils sont un peu plus grillés qu'avant, c'est tout. Ces autres, il a un token... Il a fait à 3-4 dollars qui est passé d'un coup à 600, donc il a pu en acheter du Bitcoin, je pense. Ouais. D'autres news? Non, moi j'avoue, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop regardé. Ah, il y a eu un repeu là, je l'ai même pas vu. Ah, Arbix Finance. Ah, si, Arbix, ouais, c'est pas faux, mais c'est certique. Après, c'est ce que la dernière fois, je sais plus avec quel auditeur je parlais sur le Discord, mais c'est ce qu'on disait, les mecs, c'est pas parce que un contrat est audité. Que ça y est, c'est bon, il n'y a plus de problème. Le propriétaire du contrat, il a juste à faire une mise à jour après l'audit pour modifier des choses et il fait ce qu'il veut en fait. En gros, pour que ça soit sécu, il faudrait qu'il les oblige à se faire auditer à chaque fois qu'il retouche au contrat. Donc ça paraît quand même bien compliqué. Ouais, alors après, il y a des possibilités aussi que le contrat soit intouchable derrière, c'est quand tu mets le dead en honneur. Il y en a qui le font. Ça, à mon avis, ils le font pas, parce que comme ça doit être évolutif, à mon avis, ils veulent quand même garder au début la main dessus. Mais du coup, Certic a expliqué qu'ils avaient fait l'audit, mais sur la partie vérifiable, il n'y a aucun problème. C'est sur des mises à jour qu'ils ont fait où il y a eu un problème dessus. Donc, à mon avis, c'était fait exprès. Ils ont fait tous les audits et ils ont mis un chapitre 2-3 ou une porte dérobée, appelez ça comme vous voulez, après les audits, mais surtout pas avant. Mais donc, bon, ouais, en tout cas, voilà, Arbix Finance. Yale Farming. C'est pour ça que je l'ai déjà dit. On capte pas bien, je veux pas, faut que tu te décales ou faut que tu mettes un meilleur truc. Arbix Finance, ça me dit rien du tout en plus. Ouais, grave, on va aller voir. T'entendre. Arbix Finance. Amazon aurait projet avec Casper. Ah, j'ai pas vu ça. Ah non, j'ai pas vu non plus. Oh, Par contre, ça, c'est une vraie news. Ça, par contre, tu signes avec un truc comme Amazon, ça peut faire une vraie ambiance quand même. Moi je vois rien sur les actualités autour de ça. Hein. Je suis désolé les gars, mais j'ai peur que ça soit de la. Ouais, c'est possible. N'oubliez pas, les mecs ils s'amusent à aussi donner des commoneries comme ça. Ça fait pumper bêtement et revendre direct derrière. Donc faut pas croire tout ce que les gens disent, hein. Vérifier les sources les gars à chaque fois. Même nous ça nous arrive de nous tromper, hein. Toujours rechecker, hein, c'est comme d'habitude. Et moi j'adore Casper, hein, donc vous me connaissez. Hein. Pour moi c'est vraiment une des cryptos auxquelles je crois énormément pour la suite. Mais moi, j'ai rien vu de tout ça. Hein. Par contre, beaucoup de gens y croient aussi. Ça, c'est bien. Ouais, d'ailleurs, il en est où? Tu crois tout seul. De quoi? Quand tu crois tout seul sur une crypto, ça devient un peu compliqué quand même. Bah, c'est ça, faut essayer de convaincre les gens. Ouais. Bah, là, tu fais une vidéo par jour. Et la Casper ceci, et la Casper cela. Tu essaies de monter tout le monde, et puis tu les fais dans toutes les langues. Il y a un mec qui fait ça pour crypto. En plus, le mec, c'est pas une vanne parce que je l'aime bien. C'est un mec qui fait une. Comment il s'appelle? Swissborg Mania. Donc lui, en fait, c'est un fan de Swissborg. Il parle que de Swissborg tout le temps. Il me fait délirer. Ah ouais, d'accord. Bon, après, c'est pourquoi pas. Hein. Bonjour. Passage, ça fait plaisir. Moi, il me fait rigoler à chaque fois. Puis après, tu essaies de le faire en japonais, en chinois. Toi, tu apprends toutes les langues juste pour faire ta vidéo. Mais dès qu'il y a des news, il fait des vidéos de 20 minutes. Il explique tout. C'est quoi les nouveautés? Pourquoi ils font ça? Il détaille tout de début à la fin. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est bien les mecs aussi qui sont spécialisés sur un truc. Pour ceux qui aiment bien Swissborg, pourquoi pas? Hein, c'est pas bête. Hein. Exactement. Alors on a Nermic, attends, celle-là je l'aime, j'adore. Casper, il va faire un partenariat avec avec Clara Morgan. Oh, putain, mais ça j'adore. Moi je signe direct. Partenariat de Casper avec Ferrari. Non, c'est pas Casper, c'est Velas qui a fait un partenariat avec Ferrari. Par contre, ils l'ont vraiment fait. Ça c'est une vraie actualité. Ouais, c'est comme Tezos avec Ubisoft, mais après c'est comme on entend les choses, les mecs sont déjà partout. Là, t'entends, ils ont fait un partenariat, mais des partenariats, ils en ont déjà fait 15, ils en ont déjà fait avec IBM, ils en ont fait avec tout le monde déjà. En tout cas, c'est pareil. Le fait que si Ubisoft continue et monte vraiment sur Tezos parce qu'ils prêchent le fait que ça soit vert, en gros, Tezos, ils consomment pas trop d'électricité, donc ça pollue pas trop. Après, ce qui me fait rire, c'était une remontée des gamers qui disent ça, mais les gamers avec leur carte graphique, c'est ceux qui pompent le plus, donc ça m'a fait rigoler.
Ouais, c'est vrai. C'est eux qui disent qu'il faut faire un effort sur le jeu, mais les gamers, c'est ceux qui consomment pour rien gratuitement, hein, sans être désagréable. C'est vrai en plus, hein. Ouais. Ouais. Tu joues, hein, c'est pas du travail, donc à part pour ceux qui sont pros, on est bien d'accord. Hein, si t'arrives à un moment, un niveau, c'est du travail aussi, mais Hey, c'est dur Gag! de reprocher à quelqu'un de faire ça pour une partie de jeu. Gag, ce serait bien, je suis désolé, moi ça me fait penser à S-Gag, mais ce serait bien que tu arrêtes là, avec ton Baby Dodge et Setama. Ouais, je te l'ai Tu dit l'as tout fait à une l'heure, arrête tes fois, chicanes déjà, mais moi je te l'ai dit. il y a un moment on le refait plus, sinon on kill, hein. Ça sert à rien de venir vendre vos trucs. Ouais, on n'est pas là pour chiller, on est là pour faire des blagues. Sinon, je t'envoie jouer pas en slip et là tu vas m'en rigoler direct. Ah, bon bah il est viré, allez, il commence à... Voilà. Dommage. Ah oui, aussi j'ai vu, je sais pas si vous avez fait gaffe aujourd'hui à la vidéo de comment il s'appelle, de Cryptomatrix, du coup, même si on sait qu'on est une petite chaîne, on fait un petit coucou quand même, pardon, de quoi qu'il se faisait beaucoup attaquer sur Twitter et tout. Bon, après, c'est comme d'habitude, hein, quand tu arrives à bien marcher et à faire des trucs plutôt sympas, tu as toujours des jaloux qui viennent foutre de la merde. Je pense Ouais. que ce soit une grosse chaîne ou une petite chaîne, on a tous les mêmes problèmes. Bon, je pense qu'ils en ont à peu près 10 fois plus, mais on comprend et ça fait chier parce qu'ils font du bon contenu, donc fait chier que les mecs qui sont tous carrés parce qu'il y en a un, c'est un petit groupe qui casse les couilles tout simplement. Qui ça? Tu parles Donc il de faut pas se décourager et voir. Cryptomatrix? Ouais, Non, mais j'ai après il fait a une refait un vidéo aujourd'hui, tweet. du coup je l'ai vu, c'est pour ça. Ouais, bah nous on le soutient. De toute façon, on a fait un tweet d'ailleurs pour le soutenir. Mais il a refait un tweet en disant non, il va pas abandonner quand même. Mais bon, il en a. Ouais, il en a marre, quoi. Il en a Ouais. clairement Moi, je pense marre. pas qu'il abandonne, mais bon, c'est vrai qu'à un moment, tu as envie de reprendre une petite semaine de recul ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr que, comme on disait, nous, c'est pareil, hein, quand on fait gagner de l'argent, tout va bien. Et dès qu'il y a un problème et tout, c'est toujours notre faute. Après, comme on explique, comme tout le monde, personne n'a forcé rien. On propose des choix. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec les conseils. Ah, et puis faut que vous vous rendiez compte aussi, alors c'est pas du tout pour faire le bureau des pleurs, hein, les gars, mais ça va des fois jusqu'à la menace, jusqu'à la tentative d'extorsion d'argent, hein. Donc ça va très très loin, hein, des fois, hein. Donc bon, bah tous ces gens-là ils servent à rien. Nous d'ailleurs on a bloqué tous ceux qui nous énervaient, qui savaient juste menacer, qui avaient des fois des propos racistes d'ailleurs sur d'autres canaux. On les a tous virés. On veut pas de gens comme ça. Nous on veut que des gens qui partagent ensemble, qui sont voilà des gens de bonne qualité. On est là pour comme vous, on est passionnés, hein. Nous c'est pas notre vie. On a tous un travail. On aime ça. On est super content de faire ces lives, c'est du temps qu'on prend, mais c'est parce qu'on veut partager avec vous. Bon voilà, je vous le dis direct. Après, c'est comme Cryptomatrix et tout, ils sont pas contre, mais je crois aussi, bah, du coup, il avait fait aussi un petit clin d'œil, Rob, qui l'expliquait, les gens ne se rendent pas compte du taf qu'il y a derrière à faire. Pour répondre aux gens, pour monter les vidéos, pour faire même ce live, même nous, la dispo, on est tous parents, on a tous des vies de famille. Donc, voilà, et on essaye de gérer au mieux tous les trucs en faisant des jours, des nuits, des week-ends. Et ouais, je comprends que dès qu'on se laisse taper dessus, ça fait un peu chier. Après, bah, c'est pour ça que je voulais quand même passer le mot, je trouvais que c'était important. Ouais, bah moi je peux vous donner, voilà, la vidéo là sur Bitcoin et Ethereum, c'est une vidéo, celle-là, elle a été assez rapide à faire, elle a duré 3 heures en global. Decentraland, elle m'a pris 6 heures. Decentraland, avec les trois crypto gaming, j'ai dû aller chercher toutes les infos pour vous donner un maximum d'infos. Les top 10 crypto à recharger, je vous ai pas donné 10 crypto comme ça en claquant des doigts. J'ai fait cette vidéo avec les recherches qui sont derrière. Celle-là m'a pris 7 heures en totalité. 7 heures de taf, juste pour que vous vous imaginiez. Alors, il y a des vidéos, évidemment, ça va être plutôt 3 heures. Il y en a, ça va être 7 heures. Mais parfois, le contenu, nous, on ne veut pas vous dire, voilà, 10 cryptos à recharger, on regarde le CoinMarketCap, on vous donne les 10 premières, les top, on fait semblant qu'on a fait des recherches. Non, non, et derrière, on vous donne des trucs et avec des vrais arguments de pourquoi on se dit que là, sur le coup, celle-là, il pourrait y avoir un truc fort, quoi. Et Pour les projets derrière. qu'on propose, c'est pareil. On est obligé de rechercher, vérifier la validité des projets, si les mecs existent bien, ça soit pas une connerie. Tout ça prend du temps, hein. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Là, aujourd'hui, Jopa, il a passé aussi une partie du temps pour une prochaine vidéo qu'on va vous proposer. Et c'est des recherches qui prennent pas mal de temps pour vous donner vraiment de la bonne info, juste, au mieux en tout cas. Alors, il y a toujours des loupés, hein, mais on essaye de faire au mieux. Après, il y a tous les réseaux sociaux à gérer, à vous répondre partout, des commentaires. Il y a plus d'une centaine de commentaires à répondre sur YouTube. Le Telegram, bah, il est de plus en plus populaire, etc., etc. Et tout ça, bah, ça demande du taf à l'ensemble de l'équipe, quoi. Merci à quel Tagmaster, désolé si j'écorche. Merci pour le travail, bah, merci à toi de suivre aussi.
Ouais, merci à vous. Alors, Ah non, on dit pas... Après Kenji, on ne dit pas qu'on est balèze. Hein. Si on est là, c'est parce qu'on est passionné. Parce que, comme on avait déjà dit, même avec Jopa, nous, on fait tous un peu de futur et des placements. C'est pas qu'on a besoin de personne. Mais en gros, si on voulait faire les connards, chacun se met dans son coin. On a besoin de personne pour bosser en crypto non plus. Après, c'est quand même beaucoup plus agréable de partager, quoi. Ouais. Ah, vous êtes à fond sur Mister La Bourse. Bah, laissez-le Ouais, c'est ce revenir. que j'allais dire. Ouais, arrêtez Laissez-le avec Mister revenir. La Bourse, j'ai vu, je paye la bien message, mais ouais, c'est rigolo, s'il est revenu, les culottés, il me fait rigoler. Ouais, c'est Mehdi qui nous a dit ça. D'ailleurs, je suis en train de l'afficher là. Ouais, bah on verra bien ce que ça donnera. Mais après, ah non, je l'ai pas là. Mais on peut aller voir hein, le Shiburn. Le Shiburn, attention, Shiburn. Mais à mon avis, il s'est écroulé hein, parce que il n'y avait pas de raison qu'il remonte là, je pense. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en Bon voilà, pensez. moi j'ai cassé un peu l'ambiance, mais c'était juste pour le coup de gueule, comme je l'ai vu, ça méritait de relever aussi un peu le Non, truc. mais c'est bien. Et puis, je te dis, moi, Je je lui peux ai écrit venir. aussi à CryptoMatrix. Voilà. Bon, après, nous, on a beaucoup moins d'abonnés. Hein, mais pour lui dire que sa vidéo était bien et que c'est bien qu'il mette les points sur les i. Parce que bon, nous, on se rend compte du boulot qu'il y a derrière. C'est un boulot de dingue, quoi. C'est plus t'avances, plus tu penses ça va être tranquille. En fait, c'est plus t'avances, plus tu progresses, plus les gens te sollicitent. Donc, en fait, il y a plus en plus de taf, de tri, de recherche, de tout, en fait. Marius, il y a marqué du détail sur Velas. On a fait une vidéo dessus, Marius, faut que tu la regardes. Ouais, regarde, je te montre. On a une vidéo sur Velas qui a été faite il y a 10 jours. N'hésite pas à aller la voir. Super vidéo. Même si vous voyez pas la vidéo le jour J, les gars, c'est pour ça, activez les cloches de notification. Vous saurez exactement chaque vidéo qui sort. Et regardez bien le titre parce que maintenant, en général, on parle d'un gros sujet, puis dedans, bah, on parle d'autres petits sujets. On essaye de mettre les actus dedans pour vous donner un max d'infos autour des cryptos. Voilà, les gars. Merci les gars pour le soutien, ça fait plaisir. Ouais, merci Kevin. Merci Jopa. Merci Jopa. Ouais, bah. En fait, je dis ça, c'est pour voir s'il suit, en fait. Vous inquiétez pas, c'est un truc entre nous pour voir s'il est là ou s'il a disparu. Merci Melka Starter. Merci Bourner. Merci à tous, vous êtes top, les gars. Lucifer aussi. Merci à tous, vraiment, ça fait plaisir. Ah, également, Tac. Sache qu'on C'est apprécie force à nous beaucoup. et force à vous aussi les gars, parce que c'est pareil, hein, s'il n'y a pas de communauté, ça ne suit pas derrière non plus, hein, faut que tout le monde soit là. Hein. Mais quand je vois comment vous participez au chat, c'est ça qui nous motive à continuer à faire des lives, des machins, à discuter avec vous. Parce que franchement, quand on oublie ceux la minuscule minorité qui vient juste pour pourrir la vie des gens, à côté de ça, il y a vraiment. Ouais, on le voit bien sur le Discord. Un peu moins, parce que nous, on est moins sur le Discord en même temps, mais sur le Telegram, sur le chat. C'est super quoi, ça fait super plaisir. Vous êtes des gens motivés. La plupart des gens en réalité sont sympas quoi. C'est top vraiment et c'est pour ça que ça nous motive aussi. On passe au. Vous avez d'autres actus ou on passe à la crypto libre? Tiens, vite fait, je vais juste répondre à Loïc, vite fait. Loïc a dit, je peux avoir un avis sur ce Casper Lab. Il est Nous, c'est où? simple, on va dire, c'est comme tous les pads. Si tu as réussi à te placer tout au début, que tu as eu des tokens pas chers, c'est super intéressant. Si tu rachètes le token une fois que c'est le train, entre guillemets, Ah oui, voilà. déjà parti, ça devient compliqué. Il faut bien que tu calcules ton risque. Après, je sais pas. Bah, le démarrage, il a eu un problème hein, quand même. Hein. Il y a des gens que. Je sais pas si tout s'est résolu, mais au début, le lancement, ça a été un enfer. Hello la Dream Team. Désolé, je viens d'arriver. Bah, il n'y a pas de souci, Sébastien. Hein. T'arrives quand tu peux, mon gars. En tout cas, n'oublie pas de liker la D'accord. vidéo et de t'abonner si t'es pas abonné. N'oublie. Hicham, les gars, un avis. Bah, ICP, Hicham, moi je mettrai un joker, ça sera mon joker de la soirée, pour pas être de casser l'ambiance. Eh ben, dans ce cas-là, on passe à la crypto libre, les gars. Allez, soyons fous. Allez, à tout de suite. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que bah il y a également avec moi Apu. Salut les copains. Normalement, on a Jopas, il n'est pas reparti. Eh non, je suis là. Et évidemment, vous êtes tous là. Ça fait plaisir, les gars. Depuis que j'ai Et activé oubliez les pas, il y a cloches, du. ils sonnent tous chez moi. Je Mauridio, les cons. énorme.
Que pensez-vous de Casta, le launchpad sur Bybit? Force à vous. Bah, le Casta, je crois, ils sont déjà à x30. Après, si tu veux suivre Non, ah oui? Casta, je te conseille de regarder du coup notre compère Rob Toussaint, parce qu'il a fait une vidéo dessus, parce que lui, du coup, il connaissait le mec, parce que je crois qu'il faisait déjà des traductions pour lui à l'époque. Donc lui, du coup, il a réussi à se placer en pré-salle. Mais là, je crois qu'ils étaient déjà sur un x25 ou un x50. Donc tout de suite se placer, Oui, regarde les courbes. Et sauf qu'il s'est après, écroulé, on ne hein. peut pas dire si c'est bien, c'est à toi de savoir quand tu veux te placer. Ouais, mais attention, le token, en effet, avec la sortie sur Bybit en launchpad, il était à 1,50 et là, il est passé à 75 centimes. Il s'est écroulé, hein, depuis le launchpad. Sur le launchpad, ça a été une perte, hein, pour le moment. Bah, une perte, ça dépend, parce que si tu as du bit, au final, c'est juste d'avoir des tokens grâce à tes bits. Donc au final, c'est pas une perte. Mais ouais, il a quand même sacrément descendu, hein, monsieur. Après, le projet, bon, le projet est sympa, mais c'est pas le seul sur le marché qui se positionne là-dessus, par contre, soyons clairs, quoi. J'ai plus de noms sous la tête, mais je sais que j'en ai vu plusieurs passer comme ça. Ah, alors, merci beaucoup. Alors, Adrien, merci beaucoup pour la team C0. Grâce à vous, votre passion devient la nôtre. Bah, ça fait plaisir. Grave, les lives font vraiment plaisir. Merci, Fabien. Alors, ça, je verrai Ah, après, le parce que... poutine, t'es con, Juju. Désac... Désolé, un fou rire. Il y a marqué Yuyu, il a marqué les Poutine, il est con. Les Poutines. Des actualités sur Star Atlas. Non, j'ai pas trop subi là dernièrement, je t'avoue, je suis désolé. Après, on vous a Star dit, la Atlas. game, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, même si vous posez, là, j'ai vu, on nous parle aussi du gala et tout. En ce moment, c'est pas la priorité, les jeux de gaming, en ce moment, vu le marché, comment il est rouge. Ah ouais. Bah, le gaming s'est pris une grosse claque, hein. C'était une bulle. D'ailleurs, je sais pas si vous avez. Alors pour ceux qui nous rejoignent après, mais on avait fait une vidéo pour vous prévenir de. C'était quand? Je suis en train de regarder. Ah mince, je vous mets en mode navigateur. Regardez, vous avez vu, il y a un mois, on avait fait une vidéo Metaverse Gaming, la bulle spéculative, et on avait mis une grosse alerte dessus. Donc tu vois, vous voyez, nous on avait déjà imaginé que ça allait bien se casser la gueule il y a un mois. Sur le coup, on s'était pas Ouais, c'est trompé pas d'ailleurs. faux. Donc voilà. Excuse-moi, je fais Vas-y, juste une vas-y. petite parenthèse pour Marc, 2 secondes. Marc, sur Bybit, t'as fait ton KYC ou pas? Vas-y, c'est bon, comme ça, il va répondre derrière. Ah oui, c'est le fameux au secours. Allez, Ouais, c'est les ça. gars, si vous avez la réponse également sur le chat, n'hésitez pas à aider Marc. C'est souvent comme ça qu'on s'entraide. C'est ça qu'on aime dans la communauté. Donc il nous dit, vous pouvez me sauver la vie. Comment trader les 30 USDT de bonus sur Bybit? J'ai tout essayé, mais j'y arrive pas. Est-ce que, ouais, voilà. Est-ce que tu as fait ton KYC? Ouais, déjà ça c'est la base. Parce qu'il y en a en effet qui t'empêchent de trader. Est-ce que il n'y a pas un bouton de récupération? Je sais que par exemple sur KuCoin. Quand tu gagnes des tokens automatiquement, et ben il faut les réclamer en revanche. Voilà ce genre de choses. Non, non. Vas-y, continue. Non, ben voilà, c'était les deux idées que j'avais. Il y a quel... T'as fini? Attends, vas-y, puis Vas-y, après je vais vas-y. couper, donc vas-y, je t'en prie. Non, ben vas-y, coupe-moi, on va attendre qu'ils nous répondent et puis on reviendra dessus après. Il y a quel Tacmaster qui demande c'est quoi Credo, Credo? Ah, Turedo. Le nom me dit quelque chose, mais Curedo, pardon, excusez-moi, j'étais trop vite. Le nom me dit quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Donc les copains, du coup, si quelqu'un sait. C'est une. Ouais, c'est. Turedo, c'est un beau projet normalement. Mais. Normalement, c'est un beau projet, Turedo. Je suis en train d'aller voir. Hein. Pardon, je tourne la tête. Hein. C'est pas parce que je veux pas vous C'est pas regarder. grave. Hop. Bah, fais-le en même temps, et du coup, moi, j'enchaîne en même temps les messages. Vous connaissez, il y a Sébastien qui dit votre avis sur Galéon. Bah, si on l'a présenté le projet, Sébastien, c'est que nous, on y croit. Après, on sait que ça va être long parce que c'est le milieu hospitalier, mais il n'y a pas de raison après. De toute façon, soyez clairs, les gars, si on vous propose un projet, c'est qu'on pense qu'il a vraiment des possibilités. On ne présente aucun projet sur lequel qu'on croit zéro. Sinon, on présente. Parfois, ça nous arrive de présenter une crypto comme on avait fait à un certain moment, parce que c'est des cryptos qui sont assez hautes dans le top 100 et où on dit, bah, nous, malheureusement, on n'y croit pas. On pense que la tokenomie et tout, ça va faire qu'au prochain bien, elle va disparaître. Donc, on vous dit toujours ce qu'on pense, hein, honnêtement. Donc, voilà. Bah, du coup, Kelta Master Mouche, KR2, je me rappelle plus ce que c'est. Donc, toi, tu sais ce que c'est. Il faudra qu'on regarde un peu et que tu nous reposes la question la semaine prochaine, le temps qu'on puisse faire des recherches. Donc, c'est une blockchain d'interpolarité. J'arrive jamais à le dire. D'interpolarité. Interopérabilité. J'arrive Moi jamais à aussi, le j'ai dire du ce mal. mot. Maintenant, ça commence à rentrer.
Il m'a fallu 4 ans. Voilà, c'est une blockchain qui fait. Et il y a eu. C'est une blockchain aussi. Il y a des liens avec des gens de Google, il me semble, qui sont entrés dedans, Google ou Facebook. C'est pas monté par n'importe qui. En revanche, il y a vraiment des gens. Donc là, vous avez le schéma de l'architecture, justement, qui est intéressante, où elle se fait en trois. Sur le coup, elle fait les trois couches directement. Donc n'oubliez pas que les. En fait, pour vous donner un exemple, Ethereum, c'est une couche 1. Ils font que la couche 1. Et ensuite. Bah, on a potentiellement des couches 2, des couches 3. En couche 2 d'Ethereum, on a quoi? On avait l'autre, bon, maintenant qui est indépendante, mais à l'époque, qui était une couche 2. Matic. Matic, exactement. Voilà, je ne retrouvais plus le nom. Qui était une Ouais, couche pas de 2. souci. Qui permet, en fait, bah, par exemple, si vous êtes sur Uniswap, tu voulais passer de la crypto Batman à la crypto Robocop. Bah, s'il n'y a pas de pool de liquidité Batman Robocop, tu es obligé de faire un swap. Ou un nombre de swaps suffisant pour trouver la crypto qui va permettre d'aller jusqu'à Robocop. Et donc quand on n'a que une blockchain de couche 1, et ben on paye à chaque fois une transaction. Donc ça fait une plus une plus une plus une et ça devient super cher. Alors que quand on a un layer 2, et ben ça permet de déléguer au layer 2. Donc on va quand même payer la première transaction. Mais par contre, toutes les sous-transactions, les machins, on va rien payer. Enfin, on va rien payer. Au prix de la blockchain de la couche 2 qui va peut-être être beaucoup plus rapide parce qu'elle est scalable, etc. Et donc qui reprend la main et ensuite il renvoie la couche 1. Et Curedo, bah, eux ils veulent gérer les trois couches. Il y a d'autres blockchains qui gèrent les deux couches directement. Ça se fait de plus en plus parce qu'ils veulent en fait ne pas surcharger la couche 1 et il y en a plusieurs qui misent là-dessus et plutôt aller surcharger la couche 2. Après, niveau résultat, je sais pas ce que ça donne honnêtement. Il paraît que ça marche plutôt bien. Est-ce que ça va déchirer ce qui existe aujourd'hui? J'en ai aucune idée. J'en ai pas la moindre idée en revanche. Voilà. Voilà pour les gens qui connaissaient pas trop ces notions de couches. Bah Casper Oui. aussi était en couche 2 à l'époque. Puis ils ont pris Ouais. leur Ouais, parce indépendance. que du coup, avant d'être indépendants, ils étaient sur Ethereum, c'est pas faux. Il y a Hicham qui marque qu'il y a des rumeurs sur le début, comme ça serait utilisé pour le futur smartphone Pi de Tesla, Starlink et le Dont, du coup. J'avoue, je sais pas, Hicham, faudra qu'on regarde de. Faudra qu'on regarde du coup. J'ai aucune idée. Ouais, j'en ai jamais entendu parler, mais je peux regarder en parallèle s'il y a quelque chose autour de ça. Mais non, Il y a quelqu'un. mais c'est pas, c'est un gros projet. Hein. Curedo, c'est pas. Ils ont levé donc bon 11 millions pour leur truc. Puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Petite parenthèse sur Benji, Veracity, bon, d'acheter, on n'est pas conseiller financier, c'est à toi de juger Benji, si tu fais du court moyen terme, ça va être compliqué de te dire si c'est bon parce qu'on n'est pas dans ta tête, on ne sait pas ce que tu vises. Bah là, de toute façon, soyez clair, hein, les cryptos apprennent tous cher. Veracity, c'est un beau projet, mais est-ce que là, ça va continuer à baisser ou pas? On peut pas vous dire, on peut vous donner des probas éventuellement, mais. Ah, tiens, bam! Après les gars, vous employez plein de trucs avec cela, c'est intéressant, cela c'est intéressant. Les gars, le problème c'est qu'on lit tellement de projets par jour que maintenant je mélange les projets. Donc il y a plein de projets, vous nous dites, j'avoue, on les connaît pas, ou comme je vois qu'il n'y a personne qui répond d'entre nous, c'est que ça doit rien nous dire. Mais on vous a vu les messages, t'inquiète pas, on lit tout. Enfin, vous inquiétez pas, pardon. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de Merci messages. Catherine, salut à toi Bon, aussi. n'empêche que ce soir, ce serait pas mal qu'on parle d'un sujet et on veut votre avis. Bah voilà, l'année 2022, clairement, vous la voyez. Est-ce que vous pensez que on va partir sur un bien qui va quasiment durer toute l'année? Est-ce que on va repartir sur une grosse hausse dans un mois? Est-ce que vous pensez que là, ça va faire un rebond, même si la probabilité dit qu'il n'y aura pas de rebond à court terme? Donc, je vous remets le Bitcoin si vous avez besoin pour vous faire votre propre avis. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Jopa? Tout à fait d'accord. On a dit 5 Y a trucs un déjà. pote à Hein? moi qui vient d'envoyer une punchline. Il a dit, mais Judy, c'est battu ou pas? Il a dit, je crois. Je lui ai dit, non, je crois, c'est les cernes. Ah, j'ai des cernes là aujourd'hui? J'en peux plus. Ah ouais, Ouais, c'est c'est vrai. vrai que l'angle, en fait, quand tu tournes la tête, on a. Non, là, ça va mieux, mais en fait, quand tu tournes la tête, ça fait un peu un reflet sous l'œil, c'est pas faux. Mais non, non, il a pas de cocard, c'est juste l'angle avec la lumière. Ouais, je réglerai. J'ai une des lumières en fait que j'ai pas réussi à régler et qui est plus forte que l'autre. Et je peux essayer d'en baisser une, tu vas me dire. Je vais voir ce que ça donne. Bon, c'est pas grave, c'est juste quand il m'a dit ça, j'ai rigolé du coup. Non, Que mais. pensez-vous de Tetrix? Bah, Tetrix,
Pour l'instant, ils font un peu les morts, donc on est Ouais. tous un peu en PLS, on attend de voir ce qui se passe. Ouais, une petite Et inquiétude, ensuite, ouais. c'est un projet, oui, c'est un projet, jette un coup d'œil. Ouais, Tetris, alors bon, c'était il y a quelques jours, ils donnaient plus de nouvelles. Du coup, il y a pas mal de gens qui s'inquiètent autour, ouais. Mais bah, dès que, de toute façon, dès qu'il y a des nouvelles, on en parlera. Ça, c'est clair. Il y a Boomer Abdel qui marque Adel pardon qui marque 2022, c'est pour le Web 03. Ouais, c'est vrai qu'ils ont parlé de Web 03, ils ont parlé de blockchain interopérable et ils ont parlé un peu de sécurisation aussi. Mais après, c'est comme d'habitude, hein, tout le monde dit ce qu'il veut, ça se trouve, on sera encore bloqué pendant 3 ans sur les NFT, il n'y aura que ça. Ou sur le gaming. Ça, c'est dur de se projeter, on n'a pas de boule de cristal. Ouais, les NFT, je t'avoue que il y en a tellement Moi, comme maintenant, je je vous vois pas avais le dit. saut, hein. Ouais, mais c'est ce qu'on avait dit. Quand c'est une vraie collection ou de quelqu'un d'important ou qui est de reconnu, ça fonctionnera. Mais là, quand tu vois, il y en a, ils sont partis à des millions, l'autre à 5 balles. Franchement, les NFT, je vous ai dit, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Après, vous courez le risque de le garder à vie et que vous le revendez jamais. Après, c'est un choix. Ouais. Alors, F. Candel, toutes les probabilités vont être faussées. Dans 2 jours, ça repart. Bah, je te le souhaite, hein. Bah, je me le souhaite aussi d'ailleurs. perso, je pense sur 5-10 ans, rien n'a secoué des turbulences immédiates, la tendance long terme sera haussière. Alors oui, il y a beaucoup de chances que ce soit haussier, il y a quand même de la chance. Par contre, attention, ce ne sera pas vrai pour toutes les crypto-monnaies. Hein. Je vous le dis direct, chaque année, 50% des crypto-monnaies vont mourir. Ouais, Donc et faites des oubliez bons pas, choix. je ne sais plus c'est qui avait dit ça, c'est un ancien youtubeur où il disait, ouais, à chaque fois on vous dit de racheter le dip, se racheter le dip, faut pas oublier que 60, comme disait Judy, 50 ou 60% des crypto-monnaies remonteront jamais. Hein. Donc même quand vous entendez les gens buy le dip, quand il dit buy le dip, c'est sur un top 50 ou un top 100. Faites pas des buy the dip sur n'importe quel projet. Hein. Ouais. Ah oui, parce que regardez la tokenomie, si vous voyez une crypto qui a que 5% des tokens qui sont émis, dans 5 ans, elle est plus là, hein, je vous le dis direct. Si elle est déjà dans le top 100, elle sera plus jamais là. Hein. Moi je dis c'est celle-là qu'il faut avoir, c'est celle-là, c'est celle-là. Ça c'est la crypto de l'avenir, la CZ2. Alors pour ceux qui savent pas, c'est notre crypto, c'est la crypto de C0. Si vous voulez rentrer dedans, on commence à faire des outils. On vous présentera les outils, mais on veut vraiment avoir un état d'avancement. On est en train d'avancer sur des outils d'aide autour de la crypto. Puis on verra si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, le projet continue. Et bravo, vraiment bravo, parce que vous avez vu, bah, elle n'a pas subi la chute. Donc merci à tous les holders, vous êtes solides. En même temps, il y a 28% des tokens que vous avez stackés. Je suis impressionné par le chiffre, c'est incroyable. Merci vraiment à vous tous là sur. Je suppose qu'il y en a plein sur le chat qui font partie de ces holders. Bah vraiment bravo. Merci à vous. Vous me donnez à cette crypto sa vraie solidité. Et nous, ça nous fait plaisir. On voit bien que voilà, vous nous faites confiance. Vraiment, c'est terrible. Donc merci. Ouais. Ouais. Bah, vas-y, vas-y. Petite parenthèse, t'allais J'allais dire dire. un petit message pour El Turco, alias Luffy. Je l'ai vu, ton number protocol intéressant aussi. Oui, t'inquiète, on a vu. C'est juste que comme on connaît pas tous les projets, on les note et on fera un petit point la semaine prochaine, mais on peut pas. On n'arrive pas à Ouais. retenir tous les projets, Ouais. mais t'inquiète pas, je les ai vus tes Toi, messages. tu les notes du coup, Apu? Ouais, moi je les note à chaque fois, mais t'inquiète, hein, tu recoses pas parce que tu l'as marqué 5-6 fois, je l'ai pas vu, je l'ai bien vu ton message. Alors, pour pas, ouais, voilà, pour pas vous donner de fausses infos ou d'infos trop rapides, toutes les cryptos Ouais, qu'on ça n'a aucun connaît pas intérêt. bien, qu'on peut pas trop se permettre, vous en parlez. On vous, voilà, il y en a. Apu, il vous dit quand il l'a noté. Et cette fois, vraiment, on va regarder aussi, parce que parfois, nous, on découvre des super cryptos grâce à vous aussi. On va regarder et on vous donne un avis la semaine prochaine. Donc évidemment, il faut que vous soyez avec nous hein, la semaine prochaine et on vous donne notre avis. Ça va, ça fait une semaine d'attente. Et si C'est vous n'en pouvez normal. plus, bah, vous nous harcelez sur Telegram et peut-être que vous gagnerez ou peut-être que vous perdrez. Voilà. Ça. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même faire aussi une partie des recherches vous-même. Ça, c'est encore plus drôle. Ouais, mais là, il y a des gens qui ont fait des recherches et qui demandent l'avis des autres pour, voilà, ça peut être parce qu'ils se disent, est-ce que je loupe pas quelque chose? Il y a des gens qui ont moins vu les projets et tout. Donc ça, je peux le comprendre en revanche. Après, Tant que nous, c'est entendu. on n'est pas conseiller financier. On vous dit juste, voilà, sur la tokenomie, c'est pas déconnant ou c'est déconnant. Sur le projet, bah, il y a déjà beaucoup de projets qui font ça. Après, il n'y a que vous qui appuierez sur j'achète, j'achète pas, j'attends, j'attends pas. Il n'y aura que vous qui ferez le truc. Nous, on vous dira pas d'acheter en tout cas. Normalement, un youtubeur n'a pas à vous dire d'acheter. Il vous présente des projets, il vous dit voilà ce qui est bien, ce qui est pas bien dans le projet. Ça vous permet ensuite à vous d'aller chercher.
Mais nous, on ne vous dira jamais d'appuyer sur le bouton acheter. Hein, Ouais, d'accord? exactement. Après, c'est pareil, il y avait, là, c'est pas maintenant, mais j'avais vu qu'un mec était venu me parler en me disant, ouais, mais vous prenez des sous sur les partenariats. Bah oui, de toute façon, on le dit, hein, il y a des fois, les gens, ils viennent nous voir pour avoir des partenariats, donc oui, il y a des fois, c'est monétisé, on va pas se mentir non plus. Mais Alors. c'est pas pour autant qu'on incite les gens à venir, donc après, nous, on fait parce que ça nous plaît, on prend pas juste les projets pour ça. Après, comme on a dit, chacun est libre, hein. C'est pas parce qu'on propose des projets que vous êtes obligé de nous suivre sur tous les projets aussi. Ouais. Et oh purée, ça me fait penser à un truc, ça me fait délirer. En ce moment, je suis contacté à peu près au minimum 5 fois par jour sur Telegram par des gens qui veulent à tout prix faire un partenariat pour pouvoir vendre leur outil de cloud mining en tronc avec un petit lien référal pour eux, quoi. Non mais incroyable, incroyable. Et c'est 5 fois par jour en ce moment. Et en plus, j'ai dit une technique, quand il répond pas, il me les renvoie, ce bâtard de Non, non, Gigi. ceux-là, je te les renvoie même pas. Non, non, pas ceux-là. Ça, tu Ah, c'est vois. pas cela. Non, non. Ceux-là, j'ose même pas te les renvoyer. C'est tellement drôle. Tu dois t'inscrire, mais directement avec le lien de référent. Et puis, à chaque fois, c'est. Ah, ta chaîne est géniale. Je les suis. Tu sais, la personne, elle parle pas français, mais elle te dit que c'est génial. Incroyable ta chaîne. Je la regarde depuis 2 ans. Oui, bon, la chaîne, elle a même pas 1 an, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je te coupe vite fait pour Julien Marina. Je vois pas, tu fais pas ton boulot. Là, il y a quelqu'un qui te demande le télégramme. Il est où? Ah oui. Envoyez les télégrammes. Jopin. Regarde, en plus, je l'affiche sur l'écran. Jopin, Jopin. Et n'oubliez pas, les gars, hein, le meilleur, de toute façon, pour cette année, c'est le Dinox. C'est Merci ma de voir. tâche. Alors, je déconne, hein, les gars. C'est juste que c'est un trip. Hein, depuis que j'ai réussi à avoir mon œuf des dinosaures, je tripe dessus. Mais voilà. Du coup, j'ai acheté un Ça petit passe pour rien là, dinosaure. t'en es où dans ton dinosaure, on n'entend plus, c'est vrai. Nous faisons une petite parenthèse pendant 3-4 minutes. Bah mon dinosaure il a pas bougé, il est toujours petit, il ressemble toujours à une tache et en fait j'ai même pas essayé de voir, je crois que le jeu est même pas encore en bêta. Mais je t'avoue j'ai pas Ok, donc ça n'a pas été. avancé de ce côté-là. Non je crois que ça a pas avancé. La version alpha s'est un peu améliorée mais on est évidemment très loin Ouais, de ce ça qui est vaut le pari. présenté. Ouais. Donc non bah je vais garder ma tache que j'avais trouvée, mais lui je l'adore tu vois. Mon petit La dinosaure en défaite. plastique, j'avais adoré quand je l'ai trouvé. J'ai fait putain, c'est mon Dinox! Ah, je l'achète direct! Tu sais, c'est le fameux T-Rex que je voulais que j'ai jamais eu. Moi, j'ai une tâche. Et moi, quand je l'ai vu le truc, je me suis dit ça sert vraiment à Le tachinosaure. rien. mais il y a. Hey, n'empêche, tu te rends compte, il y en a plein qui. On pourrait se dire que c'était prometteur ou pas. Il n'y en a aucun qui a survécu en crypto gaming. Non, en ce moment-là, Monster c'est un peu Infinity. lagué. C'est la dégringolade totale, mais bon, Même ça le sait. Ozira, il marque MDR toujours avec le Dino. Ouais, mais il montre moins qu'avant quand même. Là, il montre un peu, mais il en parle beaucoup moins. Et nous, dis-toi, on parle même plus de Binamon non plus. Binamon, oh là là. Binamon, résultat des comptes, si vous voulez savoir, j'ai perdu 800 dollars. Fameux dernier. Ouais, en fait, il y a des trucs qu'on vous dit pas, des fois aussi, c'est que pour vous montrer des jeux, pour essayer, bah, il y a des fois, c'est pas gratuit. Donc, pour vous montrer des Ouais, jeux, pour vous ça faire essayer des empêche. choses, bah, on met des sommes, mine de rien. Ouais, des Donc, fois on moi, met de je vous dis, comme l'argent. on est des gamins, on se tire un peu la bourse sur des conneries, bah, là, on s'est tiré une mauvaise bourre, on a perdu de l'oseille. Oh, Binamon, ça a été un flop. Aïe, 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 aïe. Pourtant, franchement, il présentait bien, le jeu, il était propre. Parce que moi, j'y ai joué un peu pourtant, hein. Mais après, je sais pas, Ah, le jeu de course, il était génial, le ils jeu. sont complètement intouables avec le prix. Ils sont devenus fous, en fait. Ouais. D'un coup, il fallait acheter des cartes pour déjà 500 ou 600 balles, et d'un coup, je crois, les cartes, ils coûtaient 180 000. Enfin, ils avaient pété un câble. Tout ça pour avoir des cartes de merde, au final, c'était lunaire. Ouais, et puis après, ils ont ouvert la marketplace en disant, ouais, vous allez voir avec ça, ça va être. Vous allez pouvoir les vendre plus cher, voilà le prix que vous pouvez les vendre. Putain, les prix, ils ont divisé par 10 par rapport au prix du Ah. booster. Il y a un gros truc, je sais pas si c'est vrai, que le Turco et Marc, il marque Levette, a sorti son stablecoin. Bah, il y en a plein en ce moment qui sortent leur stablecoin. Ça, par contre, il va falloir se méfier aussi, méfiez-vous, parce que tout le monde sort un peu des stablecoins. Vérifiez bien qu'ils sont enregistrés et que ce soit bien un truc officiel. Ouais. Il y a un projet qu'on parlait tout à l'heure, ou hier, je sais même plus, j'ai plus la Non, notion, tout à mais qui l'heure, a oui, il y a fait quelqu'un qui a monter envoyé un Alula projet. et. Ouais. Et justement, il y avait encore un nouveau stablecoin qui est créé sur cette blockchain-là aussi, donc faites attention. Ouais. Bah le truc avait l'air de ressembler au fonctionnement de Luna. C'est ça, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est celui-là. Bon après la Bon. stabilité, attention, hein, ça reste des projets expérimentaux. Hein, ça veut dire que c'est pas plus viable qu'un USDT en revanche. Hein. Ça a d'autres problèmes. Ça a d'autres avantages, mais ça a d'autres problèmes aussi. Hein, faut être honnête.
L'USDT, le plus gros C'est ça. problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de bloquer les wallets, et ça emmerdant par contre. Là, c'est ce qui. Ah bah d'ailleurs, Je tiens, c'est la comprends. news, on n'en a même pas parlé. Ils ont bloqué encore un wallet à 1 million. Donc, Ouais, il USDT, n'est ils pas ont. pensé à son salut. Non, ouais, ils ont le droit de vie ou de mort sur tous les USDT. Ça pue, hein, franchement. Je fais une petite parenthèse, il y a Alexandre qui marque RIP mon bro. Bah, je lui dis, il y a des fonds gagnent, il y a des fonds perdent, on ne peut pas gagner tout le temps. Et tu sais, je te parle même pas du futur, en plus, sinon tu te pisses dessus, Alexandre. Il y a qui d'autre, il y a. Ouais, je passe, vous avez entendu, je ne veux pas rigoler, c'est pourquoi, parce que nous, on est mort de rire sur le futur. Il y a Gaza qui a marqué, le Polkadot a changé son logo sur Code Market Cap, je ne sais pas si c'est un rapport. Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, Polkadot, ils sont en train de sortir de nulle part là, ça va être quelque chose, je pense. Ouais, bah ça serait bien parce que ça fait des années qu'il devrait sortir de nulle part. Bah, ils se sont fait désirer, mais parce qu'ils ont bien trié. Moi, je pense qu'ils ont, voilà, ils sont pas trop mis en avant, ils ont bien bossé. Après, on verra entre lui, eux et Kusama quels projets vont se greffer dessus au fur et à mesure. Mais bon, il y a déjà les parachains qui commencent à être sortis, donc c'est plutôt intéressant à méditer, les gars. Ouais. Eh tiens, on pourrait faire un point assez sympa. J'avais trouvé ça la dernière fois. Évidemment, j'arrive plus à le retrouver. Bon, je vais le rechercher, mais voir un petit peu comment était le marché avant. Merde, j'ai plus le. Mozira, développe, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a mis, Mozian? Notre ami Mozian, vas-y. Il a dit qu'il avait fait un truc engagé bis des acteurs. C'est quoi le nom de la crypto, s'il te plaît? Il m'a dit qu'il avait fait une ICO et sur un truc qui fait gaming, métaverse et création et un peu tout en fait. Le café avec. Presque, j'ai l'impression, mais Mozira, si t'as des infos, prends ou même en perso si tu peux pas, ou on voit là direct, mais ouais, je veux bien jeter un petit coup d'œil. Je suis en train de l'afficher, ouais. Pour le crypto gaming, il y a un Ou projet qui faire combine le que. métaverse, la création de gaming, la création et le gaming, genre Minecraft dans la blockchain. Bah oui, il y en a deux, hein. Il y a Sandbox et l'autre qui est vraiment lancé depuis 2 ans, qui s'appelle Decentraland. On vient de faire une vidéo, c'est les plus connus dans le marché. Et tu peux créer ton monde et tu peux créer un monde qui est connecté aux autres mondes. Decentraland, c'est un truc de malade. Hein, si. S'ils arrivent à faire ce qu'ils disent, ouais, c'est fou. Je refais une petite Ah, mais parenthèse Decentraland, entre c'est déjà en Poli. cours. C'est déjà en cours. Hein. Il y a des gens Ah oui, on est déjà bien dessus. Ah d'accord. Mais ouais. après, c'est à mon avis, c'est les ponts qui vont coûter cher. Faut voir après comment ils vont vendre leur truc là, d'histoire de passerelle. Moi, c'est j'attends les prix des passerelles. Parce que ça, à mon avis, pour communiquer d'un montre à un autre, les mecs, ils vont bloquer ces trucs-là, ça va pas être gratuit non plus. À voir comment ils se grèvent dessus. XRP est toujours en procès, mais normalement c'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini. Et après, ils ont que 5 ou 6 projets encore derrière, t'inquiète pas. Un procès, pas projet, un procès, pardon. C'est pas fini, c'est que le début, XRP, ils en ont pour 10 ans. Après, c'est pas pour autant que la crypto, elle est nulle, hein, mais ils ont au moins 10 ans de procès, je pense. Attends, j'attends déjà qui. Anthony, je te réponds, parce que j'ai eu plusieurs fois tes messages. Vandevraï, désolé si j'écorche les noms. On ne dira pas, on n'est pas conseiller financier. Je suis pas dans ta tête, je peux pas te dire c'est quoi que tu vises, donc on peut pas te dire quand rentrer. Ça, c'est à toi de faire ton petit, comment je pourrais dire, bah, à toi de choisir à quel moment tu rentres ou à quel moment tu sors. Ça, on peut pas Alors, t'aider. après, Petite si tu veux te tester, mais teste-toi sur des petites sommes pour tester au micro-somme. début, Voilà, tu dis-moi. fais des stop limites en achat, mais en achat au-dessus. Comme ça, à chaque fois que ça baisse, eh ben, tu rebaisses un petit peu, mais tu restes dans une zone cohérente, voilà, pour pas que ça rachète parce que ça a pris 1%. Le Bitcoin, il peut reprendre 1% en l'espace de 10 minutes. Mais entraîne-toi, mais sur une mini-somme là-dessus. Comme ça, au moins, tu fais ça sur 10$, tu es sûr de ne pas perdre. Et tu t'entraînes à bien gérer les stop limites en achat. Et comme ça, bah, ça achètera, tu arriveras à faire en sorte d'acheter. Tu le fais sur 10$, tu vois si ça marche. Ensuite, tu montes tes marges par rapport à ça. Et quand tu sens que tu es assez chaud, bah, tu pourras commencer à le faire sur le Bitcoin en stop limite achat. Et comme ça, bah, s'il continue à descendre, bah, tu es tranquille. Alors, c'est Après, pas. je vois que tu as marqué encore s'il te plaît, Anthony. Il y a plein de gens qui vendent des formations. Après, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens sérieux qui font des formations, hein, pas que des escrocs. Je te conseille de se rapprocher d'eux. Mais nous, on ne pourra pas t'aider, je suis désolé. Alors, Kusama, ça va envoyer du lourd. Voilà, de Fabien. Qu'est-ce que vous en Bah, ça. pensez? Ouais. Bah, ça envoie déjà du lourd. Après, on sait très bien que c'est des projets tests de Polkadot. Même s'ils ont leur blockchain à eux et que c'est indépendant, on sait. En gros, que tout est testé, les gros projets de Kusama finiront sur Polkadot. Il y a un mec qui parle bien, si vous êtes intéressé par Polkadot, ça s'appelle Polka Crypto France, si je dis pas de conneries, et le mec il explique super bien. Eh, vous savez quoi? Et si on regardait
Le Ouais, top ADC a 10, toujours Anthony. et si on Pardon, regardait le top excuse-moi. 10 des crypto-monnaies en 2017. Bah, c'est rigolo. Let's go. Ah non, le... Ah mince. Biffy. Alors, je suis en train de C'est l'afficher, toi, mais je me suis je vois, trompé. qui avait fait du Biffy. Il y a Quentin qui demande un avis sur Biffy. Non? Biffy du génie ou je sais pas quoi là. Biffy, pardon, excusez-moi, Biffy, désolé. C'est la fatigue. Alors, le top 10 en 2017, les gars. Alors, au 1er janvier 2017. Quelle crypto vous mettriez dedans avant que ça s'affiche? Pour vous, hein, pour Jopa et... Bah bon, il y a le Dash qui a bien descendu, mais moi quand j'étais Ouais. petit, quand j'ai commencé, j'aimais bien le Dash. Ouais, 7e. Il était 7e. Le 1er janvier 2017, il était 7e, le Dash. Je me Exactement. rappelle que pour faire un master note de Dash, c'était 1000 Dash, il fallait 1 million 6. Je veux dire, ouais, c'est trop. Et après, quand j'ai lu l'histoire de Dash, j'ai compris qu'il y avait trois mecs qui avaient miné. Les meilleurs du monde, c'était les meilleurs. Les mecs, ils sont minés une blockchain à 3. Imaginez le nombre de master notes qu'ils devaient avoir et qu'ils ont vendu à 1 million 6. Donc voilà, donc le premier c'était le Bitcoin, deuxième Ethereum, donc ça n'a pas trop bougé. Le Après, il y en troisième. a qui sont en train de péter un câble avec le VeChain, là. Les gars, il est pas mort, le VeChain. Qu'est-ce que vous avez raconté? C'est un des plus gros projets qui va arriver dans les 5 prochaines années. Pourquoi vous dites le VeChain, il est mort? Non, parce qu'il a fait stablecoin, c'est parce qu'en fait il a Ouais, pas. mais vous êtes fous. VeChain, c'est un très très gros projet, les gars. Il n'y a pas que lui, mais là, ils sont sur des choses, des vraies choses intéressantes et qui servent à quelque chose, pas des trucs qui servent à rien. Ah, Panther Protocol qui ressort. Tu sais quoi, j'ai même pas Ouais, été je l'ai suivi. Il vu. est sorti du coup le Panther Protocol en. Ouais, je crois qu'il est sorti. T'avais Ah préparé une merde. vignette qui n'est jamais sortie, on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Mais ouais, nous, J'en ai pas pris en on plus. devait, je crois que c'était un manque de temps, je sais plus pourquoi, mais du coup, on n'avait pas pu le proposer. Mais ouais, nous, on l'avait suivi un petit peu. Ouais, c'était très très beau projet qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quoi, un mois et demi maintenant? Ou un mois? Qui Ouais, était je m'en en. rappelle pas. Franchement, j'ai plus la notion du temps, j'ai un problème avec la notion du temps. Ouais. J'attends toujours l'airdrop de XRP, le Spark. Regarde le Ouf! magicien si t'étais bien éligible. C'était quand ça? Hathor, C'est mort ça? Ilyes, ça me dit quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. Mais je sais qu'Hathor, on l'a lu parce que le nom me dit quelque chose. Ah bah de toute façon avec Apu t'as toujours tort. C'est sûr. Alors! T'as oublié de mettre le pognon. Donc, troisième XRP, quatrième Litecoin. Moi, je suis pas étonné. Il y avait aussi celui qui m'a fait perdre pas mal d'argent, c'était le Link. Non, le Lisk. Ah, le Lisk, est-ce que j'ai pu en perdre des sous Ah avec? mais le Lisk, J'ai acheté le Lisk. il était pas dans le top 10 déjà. Ah, il n'était pas dans le top 10 à Non. cette époque-là? Ah, je sais pas, en tout cas, celui-là, il m'a fait pleurer grave. Cinquième Monero, sixième Ethereum classique, septième le Dash, Ah, putain, huitième j'avais Odur. oublié le terrain classique, putain. Odur. Ouais, terrain classique, c'est vrai qu'il a disparu des radars, lui aussi. Je l'aimais bien, parce que du coup, c'était un fork, mais Ouais, ouais, c'est un peu plus, c'est un peu plus discret. il est dans le top 50 quoi, je pense maintenant. Ouais, mais pourtant, ils arrivent à tenir quand même, on n'entend pas parler d'eux, ça veut dire que la commu doit être solide. Donc voilà, 9e Go MadeSafe commune. Coin. Je te rends compte, mais celui-là, je sais même pas, il n'existe plus, MadeSafe Coin. Moi je crois pas non plus, hein. Je crois les morts. Je pense que Ou il est celui-là, en il a pris cher. PLS. Hein. Ah, Ah ouais, il sort le 31 Panther 335e. Protocol. Ilyes, il nous dit il n'est pas encore sorti. Ok, merci Ilyes. Ah, il n'est pas encore sorti. Ouais, Et c'est cool. on a vu ton message, pardon Marius, Bokonomi, je sais pas du tout ce que c'est. Bonne nuit Alexandre, au plaisir. Ah, il sort le 31, le Panther Protocol. Bah, c'est quoi? Tiens, note-le en même temps. Parce que c'est franchement, c'est ouais, c'est une belle crypto. Je sais pas ce que ça donnera, mais c'est une belle crypto en tout cas. Ça va dans celle qu'on aime bien de toute façon en général. Sauf que là, c'est de la DeFi en plus derrière. Il y a quoi d'autre? C'est pas Bokonomi, c'est Bikonomi normalement. Si je dis pas de Pardon. bêtises. Ah oui, c'est bien marqué beaucoup. Anthony, c'est à toi de savoir quand tu peux te lancer, mais moi je te dirai en ce moment, attends un peu. Même moi, je pense pas que pour les novices, ce soit le bon moment d'acheter quelque chose. Attendez un peu. Après, ça dépend de tes fonds. Si tu fais de la DCA, tu peux te permettre de mettre un peu et de faire de la DCA. Par contre, si t'as pas beaucoup pour faire un all-in, de toute façon, les all-in, ce qu'on dit, faut jamais déjà. Mais compliqué de te dire. Ah bah de toute Que façon, ouais. même tu parles de ce week-end, ça se trouve pendant 2 mois, ça va être pareil. On n'a pas de boule de cristal, on sait pas combien de temps ça va durer le range. Voilà, j'affiche le Bikonomi pour les gens. C'est un Pour projet sérieux, Marius. hein, c'est pour ça que je l'affiche, hein, c'est un projet sérieux le Bikonomi. Donc voilà. Voilà, t'es sur Safe Made, non? C'est pas ça? De quoi? C'était Bikonomi, t'as dit? Oui, parce qu'on a un retard sur l'affichage. Là, Ah, le... pardon, autant pour moi. Alors les gars, je suis désolé de vous dire. Ah non, il y en a 122 qui regardent, il y a 129 likes, je peux rien dire. J'espère que vous êtes tous abonnés, hein. Je vais checker. Non, je peux pas checker en plus. Ouais, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitter, rejoindre le Telegram.
Ça nous fera plaisir pour la discussion, c'est toujours bien. Après, on essaye. Après, comme vous avez dit, on essaye d'être un peu partout, on fait comme on peut aussi, mais même parler entre vous, c'est toujours bien d'échanger aussi. Il y a des fois où vous n'avez pas besoin de nous, finalement. Bon alors je sais pas s'il y a des nouveaux ou pas du coup. Est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne? C'est votre premier live avec nous. Bah, en tout cas vous êtes au bon endroit, vous avez vu les gens sont sympas. On n'a pas réussi encore à virer Apu, mais bon ça viendra, ça viendra. Le problème c'est qu'il est modérateur sur le chat donc on peut pas le virer. Ouais, c'est dans la tous gagner du temps déjà. Les gars, je veux votre avis sur Alors, le défi de dos. bonne question. Allez, bonne nuit les mecs. Merci pour le live. Il y aura une rediffusion après. Oui, tous les lives ensuite, je crois qu'ils se mettent en ligne une demi-heure après, mais ils sont toujours mis en rediffusion. Il y a un channel qui est dédié à ça, où tu le trouves dans l'onglet vidéo ou dans la playlist crypto-monnaie live. Et tu as tous les lives ben, à partir du moment où on les a lancés sur la chaîne principale. Voilà. Donc, pas de panique. Les gars, je veux votre avis sur la DeFi Dodo. Salut Habib. Bah Dodo, il est. Alors, tu vois, moi Dodo dans Je ma crois tête, il qu'il faisait Dodo quoi. est fondu. Ouais, moi aussi, je pensais qu'il n'existait même plus. Je sais qu'au début, on en parlait un peu. C'était l'année dernière. Je crois qu'on en parlait pas mal, début d'année 2020, mais c'est un moment que. Bah le premier token de la chaîne, il avait été fait sur Dodo, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'avais dit ça. Je me suis dit, ouais, c'était début d'année. Ouais, on avait testé le. Tu te rappelles tout ce qui était. Comment on appelle ça? Le Crossfunding, crowdfunding. exactement, bien joué, Oh, je veux le pas, truc tu qui vois, me. je veux pas y dire rien d'un coup, bim, il arrive avec les mots qu'il faut. J'étais là. Et on était tout contents, et puis en fait, personne comprenait rien au truc. C'était une catastrophe. Voilà. Ça a été une Après, le blague. problème qu'on a là, ça va un peu mieux, mais au début, les gens faisaient pas l'effort de s'éduquer. En fait, ils comptaient sur des youtubeurs ou des gens comme nous, plus ou moins, pour les éduquer, mais ça, personne peut le faire à votre place. Même si on vous donne des tips ou on essaie d'un peu Voilà. vous aiguiller, il n'y a personne qui pourra vous aider à vous éduquer vous-même. Et Ouais. c'est le plus important, en plus. L'argent c'est bien, mais ça fait pas tout non plus, hein, faut pas croire. Ah, je peux pas reposter. Merde. Voilà. Je vous lance le lien pour ceux qui veulent prendre de la CZ2. Mais ouais, le premier token, on l'avait fait sur Dodo. Mais bah, j'ai vu qu'il passait mieux en anglais maintenant. Mais il évolue un peu. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est quand même pas de la grande DeFi, hein, faut être honnête. Il y a quand même beaucoup mieux. Habib, Ah pardon. oui, le Habib token petit a pris message, cher. mets pas de prix si tu veux parler prix ou fait, viens nous voir en privé, mais parle pas comme ça d'argent sur le live, s'il te plaît. Après, est-ce que c'est un beau choix? Bah, ça dépend si tu crois au projet, si c'est du court ou moyen terme, mais ça dépend aussi de ta bankroll. Si t'as fait all-in, dans tous les cas, je te dirais c'est pas un bon choix. Après, si t'as mis 5-5, si t'as 100 ou 200K, oui, ça peut le faire. Ouais, merci Candel, je suis tes vidéos et je viens de m'abonner, t'es top gars. Pas nouveau, mais premier live pour moi, j'espère que ça te plaît Marc, et n'hésite pas à nous faire du feedback. C'est du tout, du grand n'importe quoi, on parle crypto, on essaye de vous répondre. Bon, il y a tellement de questions, on s'en veut plus. Blablabla. Youssef, il y a déjà quelqu'un qui est venu faire de la pub dans tous les sens et il s'est fait bannir. Juste pour info. Alors toi, je sais que tu es souvent là, mais on a eu Exceptionnel. assez de ce token pour toute la soirée. Métaverse, Radio Caca, ça a l'air du lourd. Putain, mais Radio Caca, j'ai toujours du mal avec ce nom, c'est terrible. Je suis Ça me désolé. fait rigoler, moi, chaque fois. Mais le pire, c'est que le truc est pas mal, mais mon C'est Dieu, que ça. T'as l'impression que le mec, c'est une blague et tout, et quand tu vois sur le truc, tu te dis, ah, putain, le mec, il est pas mal, en fait. Ouais, Radio Caca, quoi. C'est génial, c'est. Ouais, je l'affiche On juste pense pas pour des plaisir, quoi. choses. On pense beaucoup de choses, les gars, de tous les projets. Momo, je te réponds, c'est tout à l'heure, il y a la team Lovelace. Moi, j'ai pas regardé. Et en plus, quand vous me dites c'est sur ADA, en ce moment, vous allez me dire encore je descends l'ADA, pourtant j'ai rien contre eux. Bah, ils l'ont beaucoup ouvert et ça marche pas. Du coup, Ah, il résume, hein, ça va vite. vous trouvez ça normal que XLM ne monte pas? Bah, le problème de XLM, c'est C'est que. russe. Non, c'est pas russe, XLM, si? Stellar, c'est pas russe. Bah, pour moi, c'est un ancien de Ripple. C'était des Russes, je Attends, savais pas. vérifier, je dis peut-être des bêtises. Pour moi, c'était russe. Parce que Si je c'est dis un pas des une créateurs de connerie. Ripple qui s'est barré, qui était en mécontentement, qui a fait Stellar. Bon, il y a eu toute une histoire. Bon, je sais pas du tout. Ouais. Bah, en tout cas, Stellar, moi, j'en ai depuis très très longtemps. Après, déçu, non, parce que ça fonctionne, mais ouais. C'est Moi, comme Nano. Il y a quelques projets comme ça qui sont magnifiques, qui coûtent quasiment pas de frais, mais qui sont pas mis en avant parce qu'ils doivent être nuls en marketing ou ils s'en foutent de faire de la pub. Mais il y a quand même des projets intéressants qui passent à la loupe.
Moi, Stellar, c'est un de mes plus gros su succès. La première année, c'est mon plus gros succès, Stellar. Fois 45. Il y en Acheter a un qui 2 se passe si centimes. vous. Alors, l'histoire, je la rappelle, mais bon, il y en a qui vont dire que je rabote pour ceux qui font tous les lives, mais c'est la deuxième ou la troisième crypto-monnaie que j'avais achetée. Bon, la première, c'était le Bitcoin. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Mince. Et j'ai un pote, il me Bah, faut se saoulait pour que plaisir, ça j'achète la n'existait pas. Stellar. Il me dit, achète la Stellar, tu verras, c'est génial. En plus, moi, je la mine et tout. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai fait, bon, vas-y, je te suis parce que t'arrêtes pas de marceler tous les matins. Et putain, quand j'ai vu le résultat, j'avais fait x45 sur la Stellar, c'était n'importe quoi. Mais par contre, après, elle a jamais remonté, donc j'avais bien fait de la vente, tiens, ça. Autant, il y a des cryptos où j'ai bien perdu sur le bullrun 2017, autant sur la Stellar. Oh, celle-là, elle m'avait fait plaisir. Voilà, c'était ma petite anecdote. Et c'est en plus, à la base, je voulais pas l'acheter. C'était vraiment pour que mon pote me lâche. Bon, comme quoi. Ah, le rose, j'ai pour toi là. Ça, c'est du. Ça, je suis désolé, je suis obligé de lui laisser. Je pourrais pas lui prendre la main là-dessus. Il va me couper tout le temps, le rose. Apu. Yeah. J'ai pas compris, excusez-moi, j'étais en train Ça parle du d'écrire un rose. autre message. Ça parle du rose. Ah, le rose. Ah, le rose, c'est du lourd. De toute façon, moi, je vous ai dit, protection de données, tout le monde néglige. Avec tout ce qui est connecté de nos jours, il n'y aura pas le choix de passer par là un moment. Après, par contre, il faut faire gaffe, mais je crois que le rose, ils sont plus positionnés en termes de société. À vérifier, je ne me rappelle plus, parce que je sais qu'ils ont un peu évolué leur roadmap aussi. Pas leur roadmap, leur projet, pardon. Alors, et là, vous avez des questions super intéressantes. VLX peut-il remplacer Solana? Il fait partie des prétendants. Après, est-ce qu'il va le remplacer? On ne le sait pas. Moi, Mais. quand vous me dites remplacer, ça me fait rire parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je vois Non. pas qui remplace quoi en On fait. va dire Ce en sera top des choix 10. stratégiques. Non, mais c'est en top 10. C'est ça qu'on veut dire. Ah, ok, pardon, Moi, excusez-moi. je suppose. Hein, après, il pourra répéter. Mais comme là, tout à l'heure, on avait dit qu'on voyait le Solana sortir du top 10. Il y en a d'autres qui allaient rentrer dedans. Bah, le VLX pourrait faire partie de ceux qui ont le potentiel, en tout cas. Ah, moi Après, c'est. aussi, pour 2025, je vise le seal dans le top 50. C'est la blague d'Apu, fais plus Alors, juste pour vous rappeler aussi Solana, bon, il y a eu des gros problèmes, mais il faut aussi rappeler une chose, Solana, il gère aujourd'hui énormément de transactions. Quand VLX, quand Casper et les autres prétendants, CLX, etc., etc., devront gérer autant de transactions, on verra aussi s'ils tiennent la charge. Parce que c'est facile de dire, ah, Solana, il tient pas la charge, machin. Aujourd'hui, il est sixième dans le. Il est sixième, hein, c'est ça? Dans le market cap. Moi, je pense que tu peux faire tous les tests que tu veux. Tant que t'es pas en mainnet et t'as pas vraiment vu c'est quoi les trucs, il faut des problèmes pour avancer. Ils l'ont tous eu. Même on rigole sur Ada, je les critique un peu parce que l'autre il a beaucoup parlé, mais je suis pas étonné, c'est normal. Après, ça se trouve, dans 6 mois, il n'y aura plus de problème et ça fonctionnera bien aussi. Et ouais, tant que de toute façon, tant que t'avances pas, bah, c'est en avançant qu'on voit les problèmes au fur et à mesure. Alors on a last question. Ah mais t'inquiète, Kaiser. Kaiser, il a l'impression de nous saouler. Mais t'inquiète, on t'adore. Regarde, allez, allez. Regarde, même mon Dinox, il te fait un bisou. Bon, il a des grosses dents par contre. Ah merde, il est vert, du coup, il est à moitié transparent, ce con. Ouais, pas mal. Mais non, Oui, non. énervé. Est-ce que Solchic dépasse Tethan en 2020? Aucune idée. C'est deux très bons crypto gaming. Solchic, je ne l'ai pas testé. C'est un style différent. Je ne sais pas s'il est testable d'ailleurs. En tout cas, il y avait des vidéos de gameplay. Franchement, je ne sais pas. Là, moi, je ne saurais pas dire. Je trouve que les deux sont excellents. Maintenant, il faut voir le modèle économique des deux. Tethan, tu peux jouer gratuitement. Après, Solchic, je ne sais pas. Par contre, Tethan, si tu joues gratuitement, tu ne peux pas monter ton personnage. Donc, il a quand même des défauts. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire vraiment un vrai free-to-play. T'as les moyens de payer, bah, tu t'avances plus vite dans ta progression. T'as pas les moyens de payer ou tu veux pas payer, bah, t'assumes que ta progression sera plus longue. Par Mais contre, au moins tu Tethan, c'est peux pas le cas. jouer. Ouais. Mais Tethan, au bout d'un moment, t'es bloqué parce que ton personnage, tu peux pas l'upgrader. Tu peux pas lui faire monter des niveaux parce que il y a un moment, il te faut une des cryptos, je sais plus lequel. Mozira pourra vous le dire là-dessus, il connaît bien le jeu. Et si t'as pas de cette crypto et pour la gagner, il faut un personnage acheté en NFT, bah t'es bloqué et c'est dommage. Si ces jeux-là veulent Ok. réussir, il faut qu'ils soient free to play de toute façon. Salut Morizo, désolé je te coupe parce que j'enchaîne les messages en même Ouais. temps. Salut Morizo, bonne nuit. Bonne nuit. Êtes-vous des mineurs? Benji demande. On fait un peu, moi j'ai commencé un peu les masternodes. Après, c'est simple, hein, t'es francophone, t'as un problème ou un truc de mineur,
Monsieur TK est l'homme qu'il te faut. Donc c'est une chaîne YouTube, c'est une personne qui a sa chaîne, donc lui il fait que ça. Moi Donc j'en il est fais plus, vraiment ouais. fort et à mon avis il pourra plus t'aiguiller que nous. Après je sais que Judy en a fait un peu Ouais. aussi, mais après si t'es ça par contre vivre en PV je pense c'est mieux. Ouais, parce que c'est assez compliqué. Et ouais, voilà, il faudrait qu'on voit aussi par rapport au pays où tu es, ta condition. Et c'est pas si simple. Le minage, c'est loin d'être simple, en fait. Ouais, si. Il faut que tu t'y intéresses et il faut y passer des heures et des heures pour déjà utiliser les bons logiciels et pas te faire niquer parce qu'il y en a beaucoup qui te niquent. Moi, je vais pas te mentir. Bref, c'est des sujets ultra complets et ultra complexes en même temps. Je fais une petite. Ouais. Non, vas-y, finis, je t'en prie, j'allais recouper sans autre sujet, donc vas-y, termine. Bah, c'est pareil. Moi, j'allais dire Hello, j'ai chargé comme un porc CKB. Bravo. Bravo. Quel vocabulaire. Toi, il va te bouffer le Dinox. Dis, C'est sûr. excuse-moi. Eh, ma fille, elle serait là, Ah dirait direct. C'est papa, t'as vu, c'est un gros mot. Hein? mais. Ça sent très La bon, tu le petite poudre. confirmes? Ouais, c'est un très beau projet, CKB. Mais de toute façon, on avait fait une vidéo hein, sur CKB, avec CKB hein, dedans. Ouais, c'est pas faux. Petite réponse pour Thibaut et je ferai une réponse en même temps globale. Oubliez pas là, parce que j'entends plein qui parlent un peu Galéon et les autres. Les gars, c'est des ICO. Donc, ça peut le faire, on ne sait pas. Si on l'a proposé, c'est que nous, en tout cas, on pense que oui. Par contre, pensez pas que l'année prochaine, vous êtes millionnaire. Surtout qu'ils sont sur le médical. Donc, regardez 2025, 2026, 2027. Pensez pas dans 6 mois, ça va le faire, je vous le dis tout de suite, sinon, allez dans du shitcoin. Tout ce qui est en sortie d'ICO et tout, à part les projets qui a de la hype, mais ça reste que de la hype, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a de la hype que les mecs bossent plus vite. Il faut attendre 1, 2, 3 ans, faut laisser bosser les mecs. Ouais, bah regardez la plupart des ICO, les listings, ils sont pas formidables. Le seul qui a fait un carton, mais il faut savoir que celui qui a fait un carton, tout le monde a crié au scam. Ça a été infernal. À un moment, on a même pu. Au final, on a communiqué sur nos réseaux sociaux, on n'a même pas envoyé la vidéo. On nous a tous fait chier. C'était le Victoria VR, et bam, il sort x247. Donc on peut pas savoir. Par contre, la plupart des ICO, bah, il y a un tiers des ICO où le token, un jour après la sortie, bah, malheureusement, le prix du token est en dessous du prix de l'ICO. Donc c'est sur du long terme. Vous pouvez pas, moi, si vous voulez jouer du listing, oubliez les ICO, je vous dis direct. Dans ce cas-là, essayez les préventes, les launchers, mais faites pas de l'ICO. L'ICO, c'est pas du listing. Ouais, c'est pas du listing, ouais, exactement. Faites plus Par du contre, launch, vous ferez mieux. si vous faites du crypto gaming avec de l'IDO et que vous comptez holder pendant 5 ans, à mon avis, vous allez tous mourir aussi. L'IDO, par Ouais. contre, c'est du court terme. C'est pour revendre Exactement. au Nous, on plus a bas. essayé, on l'a fait à nos dépens sur plusieurs plateformes. On a vu moins 80% sur tout ce qui est IDO et tout. Si t'as pas revendu ou tu t'es pas remboursé tout de suite, t'es perdant derrière. Et pas au bout de 6 mois, au bout de 3 4 mois déjà. Ouais, clair. Il y a des fois, même au bout Le de 2 semaines capop. sur certains projets, pour pas vous mentir. Le capop. Tu te rappelles de ça? Ouais, Divisé putain, par capop, c'est ça. Je crois que je suis passé de 100 balles à moins de 0,4 centimes. c'est ça, moi je suis passé de C'est ça, 5. hein. Ouais, c'est ça, 50 balles à 5, 50 centimes. Ouais, c'est ça, je crois, Ah 50 non, balles c'est à 50 remonté un centimes. peu, alors je crois qu'à un moment on était encore plus bas que ça, donc il a dû Non, mais moi remonter. j'avais racheté, moi, par rapport à Ah ok, toi. ouais, toi En t'en fais fait, un fou, tu fais à un moment, quoi? j'avais, tu sais, j'avais fait l'IDO. Ouais, c'est ça, l'IDO. Et ensuite, quand il s'était bien écroulé, je fais, putain, point d'entrée d'enfer, je remets. J'ai remis 50. Ouais, j'ai dû mettre 100 balles en tout. Et j'ai remis 50 balles. Sauf qu'il a rechuté encore après. Et là, j'en ai pour 50 centimes. Comme on vous dit, des fois quand on vous dit buy the dip, buy the dip, mais bon, le truc, quand le projet meurt, bah, tu peux buy the dip autant de fois que tu veux, des fois ça suffit Ouais. pas. À Gauthier, un bon plan. Catron, moi j'en ai, mais j'en ai parce que ça fait très très longtemps que je les ai. Après, un bon plan, il n'y a que toi qui peux juger ce que tu vis du projet ou ce que t'en déduis. Après, c'est dur de vous dire qu'est-ce qu'un bon plan ou pas, parce qu'on n'a pas tous, on réfléchit pas de la même façon. Ouais, bon après nous on peut donner notre avis, mais ça reste notre avis. Faut pas le prendre comme argent comptant, hein, n'oubliez pas. Hein. Y a Marc qui marque oh, comment nous faire oublier Katana Ah, il en est où le Katana Inu? J'ai même pas été voir. Inu. C'était de la merde, donc à mon avis, c'est comme le reste, il doit être en bas. Bon, honnêtement, le Katana Inu, quand j'ai vu la complexité des presales, ensuite on pensait que c'était un scam la presale, puis ils ont annoncé que la presale en fait c'était pas un scam. Du coup, je suis même pas rentré dedans. Moi, ça m'a Minisal, gonflé. désolé Bibi, est-ce que tu peux développer? Salut tout le monde, Minisal, c'est fiable. Je vois pas de quoi tu parles, Bibi, je veux bien que tu développes. Désolé, hein, je dis je t'ai coupé, mais. Ouais.
Ouais, Ah, bah tu ils... voulais dire Pingsan. Ah, Pixel. A priori, Ouais, ils sont si j'ai assez lu, fiables. désolé, je suis en même temps. L'avantage de Pixel, c'est qu'ils forcent, ils font des, ils font les KYC avec les gens qui présentent le Avec les token. responsables. Ouais, donc non, non, ils ont l'air assez viables sur le coup. Après, je sais Dans pas tous trop les ce qu'ils cas, s'ils la présentent. font à l'envers, ils doivent présenter des papiers. Donc, dans tous les cas, s'il y a un problème, en tout cas, Il y a de quoi se Pingsan a tous retourner. les papiers pour se retourner s'il y a un souci. Ouais. Donc Pingsel, donc vous êtes plusieurs à demander, voilà, Pingsel, il demande le KYC, c'est assez long du coup pour se lister dessus, mais du coup si vous malheureusement derrière il y a un scam, bah vous savez que Pingsel en revanche ils ont les identités. Alors évidemment après si le mec il présente une fausse carte d'identité et tout, je sais pas comment ça se passe, Ah mais ouais, disons encore que autre chose. si le mec il a pas présenté une fausse carte d'identité, bah il y a quelqu'un qui a son identité. Pingsel là-dessus c'est ils sont assez complets, ils demandent des papiers. Ouais, vérifie pas mal. Il vérifie pas mal, voilà. Alors Après, ils sont évidemment. pas responsables. Par contre, il y avait quand même eu un problème sur Pixel à un moment, c'est que c'était. Ils avaient foiré un ou deux démarrages, je pense, sur des ICO, je m'en rappelle plus, j'ai plus les noms, mais il y avait eu que quelques soucis aussi. Après, je sais pas si c'était de leur faute ou c'était de la faute de l'équipe, mais. Faudrait que je revérifie, mais je sais qu'il y a eu quelques galères sur Pixel, c'est déjà arrivé qu'il y a eu un ou deux problèmes. Ouais, je m'en rappelle plus. Mais après, c'est eux qui s'occupent de tout, hein. Les gens ils passent par eux comme s'ils n'ont rien à faire, et ceux qui font le contrat, ceux qui font les vérifs, ils s'occupent un peu de tout derrière en fait. Ah, Gala, ils sont tous à fond encore. Un petit mot sur Gala. Bah, Gala, nous, on en parlait depuis un moment Trois sur les lives. paye, après il dort, ouais, je sais pas, il est un peu en mode. Je pensais qu'il avait pu s'exploser. Après, ceux qui ont été gagnants, du coup, bah, je fais un petit. Coucou à un ami qui a un autre gala. Pour savoir un autre gala, il faut 500 000 tokens. Donc maintenant, Ouais, c'est un peu trop tard pour ceux qui ont commencé. mais attention, Mais ça a l'air d'être intéressant. le projet est top. Gala, le projet est top. Ça, Ah c'est. bah, moi, de Regarde. toute façon, même pour ceux qui ont acheté des. Qui ont fait des masterminds à 500 000, c'est que je pense qu'ils croyaient au projet. Mais moi aussi, gala, j'aime bien. Après, bah, en ce moment, c'est pas de la faute à gala, c'est le gaming en général. Là, on est en chute. Donc du coup, bah, ça s'est un peu calmé, quoi. Mais par contre, voilà, ils présentent plein de jeux différents. Depuis Spider-Tank, donc nous, on avait vraiment, on en parlait sur les trucs de Spider-Tank qui allait faire exploser le gala. On avait bien jugé, hein, d'ailleurs, là-dessus, sur le coup. Echo Ouais, en plus, ça nous Empire. fait rigoler, on l'avait dit, les gens, ils l'avaient proposé 3 semaines après. Pour une fois, on était en avance. Ouais. Mirandus. Et là, hey, ils ont quand même un contrat avec Walking Dead. Donc, ils sont en train de nous faire comme leur ancienne boîte. Hein. Leur ancienne boîte qui était un des spécialistes du lancement sur le gaming. Regardez. Allez, on peut même mettre avec la. Ah non, vous voyez pas, mince, j'ai oublié que j'étais sur le grand l'écran. Attendez. Hop, je vais vous mettre. Regardez. Eh, hey, quand même, hein. Ah, il y a Gaza qui demande comment tu vois le top 10 sur les autres années sur CoinMarketCap. C'est chiant ça. Le top 10 sur quoi, pardon? Comment tu as fait pour voir le top 10 des autres années sur CoinMarketCap? Alors, je vais t'expliquer comment ça marche. Je vais t'envoyer une adresse, il faut que tu envoies 20 BNB, et normalement, en retour, tu reçois l'adresse. C'est une technique. Bah, je vais te l'envoyer, t'inquiète pas, je laisse juste l'annonce du Walking Dead proposé par Gala. Ouais, en plus, il commence à taper dans comment on appelle ça, là, dans les grosses marques, ça va faire mal. Parce que eux, par contre, ils ont les moyens et les capacités d'aller choper des contrats avec Walking Dead et tout, quoi. Ah, il est pas mal, le jeu a l'air chouette en plus, il a l'air top. Ouais, carrément. Génial. Ah ouais, moi, il me donne envie, en tout cas. Bah écoute, Gala, c'est quand même très bon signe, hein. C'est pas mal. Franchement, bon, je vous envoie le truc aussi, hein, vous inquiétez pas. Hop. Alors, c'est bizarre, je suis désolé, mais je vois pas les 20 BNB, j'ai pas la notif qui me dit que tu m'as envoyé 20 BNB. D'accord. Allez, je vous l'envoie, je suis sympa. Hop. Voilà, je viens de t'envoyer le lien et ensuite tu as juste à changer la date en haut et en fait tu peux avoir le CoinMarketCap à la date que tu veux. Voilà. Bah, du moment où ils ont commencé à le faire en tout cas. Je fais une petite parenthèse, il y a Thibaut Adam qui dit token Polyverse d'Idriss, je suis tombé dessus. C'est le mec qui fait un peu de l'art avec les gorilles et tous ces trucs-là, là, avec les oiseaux et des trucs bizarres. À voir, lui ça change du lot, il paraissait un mec connu, donc ça pourrait peut-être faire un peu plus de. Attirer un peu plus de monde. À voir. Après, on vous a dit les NFT, les gars, tu sais que tu vas l'acheter, mais tu sais jamais si tu vas vraiment le vendre, hein. Pensez-y. Hein. Ouais. C'est un coup que ton NFT, tu vas le garder à vie. Hein. Il y en a un qui a marqué qui m'avait fait rigoler, j'ai oublié de le lire. C'est quoi un NFT? Il a marqué, c'est comme si tu faisais enregistrer sous.
Il m'a terminé. C'est qui qui a mis ça? C'est où? sais plus, bah, c'était sur le chat tout à l'heure, je l'ai loupé parce que j'ai rigolé tout seul dans ma tête, je voulais le dire, mais j'essaye de. Vous avez vu, Ah, je sais j'ai pas pas eu si le temps t'as de vu le voir. depuis 2022, j'essaye de m'en couper jeudi. J'essaye de faire un travail sur moi-même. Ah, Pour je l'ai m'en pas couper vu la parole. passer. Mais Ah, du coup, j'ai vu le message et je les appelle entre temps parce que j'essaie de pas perdre le fil non plus. Ouais, dommage. Bon, Donc sinon je ouais, l'aurais ça m'avait affiché fait direct. rigoler, j'avais vu ça, je sais plus c'est qui, mais tu m'as bien fait rire en tout cas. Top 2030, on essaye. Je veux bien essayer, mais je pense qu'il va nous jeter encore. Ouais, ça n'a aucun intérêt. Avec le Bitcoin à 3 000 et tout, après les gens ils vont plus me croire. Non, ça regarde, ça marche pas. Non, tu vois, ils sont malins quand même. Ça marche pas. Ils nous mettent pas le. Dommage. Ça se tentait, ça se tentait, j'avoue. Y a Mehdi DZ qui marque, je t'envoie un Shiburn si tu veux. Je t'adore Mehdi. Ah, les Shiburn. Il t'a dit, il t'a transformé de BNB en Shiburn. Il t'a vu en troisième catégorie. T'es même pas en seconde catégorie, t'es en troisième catégorie. Jopa, t'es encore dans le quartier là? Oui, Il y bah a je un peux pas lui envoyer des trucs. Mehdi ou je sais pas quoi qu'il faudrait virer sur le chat là. C'est un Pas perturbateur. Il nous perturbe. Voilà. Voilà, j'affiche ton message, j'adore, j'adore. Allez, franchement, tu problème. J'aime mérites. beaucoup. Bah demande à Judy, je lui fais gagner un tip sur Secret. Lui aussi, on aime beaucoup. Ah, il y Et avait un encore. jeu qui avait l'air pas Ouais. bien, c'était Fever Gold. De quoi? Comme ça. Il y avait un jeu qui était pas mal à l'époque là. Fever Gold. Je sais pas s'il est sorti. Ça me dit rien, c'est quoi ça? Le jeu de Fever. pistolet là? Non, Chercheur d'or. Je me rappelle pas. Il y avait des Ah, Mine of avions. Dalarnia? Non, c'était Non. pas ça. Je cherche le. Tiens, un autre jeu là que je mets. Je vous mets un autre jeu qui est proposé par Gala. Je fais pas de pub pour Gala, on n'est pas payé par Gala, mais on trouve qu'ils présentent. Oh la purée! Là, ils présentent vraiment des trucs de Désolé. qualité quand même, hein. Ils sont ouf, hein. Gala. Hein. Vous assurez les gars, merci Thibaut. Après on assure, on sait pas, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Hein. Si on travaille entre trois fous, donc à un moment on fait comme sur toi, on fait ce qu'on peut. Mais bon, comme on peut pas grand chose. C'est ce que je voulais dire, mais j'avais pas osé le dire direct. Putain, les boulets quoi. Oh Bon, là ça là va, là là merci les pour gars, mais l'info qu'est-ce que vous là. faites? Pourquoi vous nous suivez? On est tarés, on est complètement tarés. J'espère que vous allez bien. Bah, nous aussi, on espère que tu vas bien, Romain Ross. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Il est ouf aussi, hein? Eh, mais franchement, Gala, ils sont en train de. Moi, c'est ce que j'aime dans Gala. Il y a un seul token. Ils essayent pas de faire n'importe quoi. Moi, je pense que les cryptos, les jeux, tous les jeux qui vont vouloir faire le jeu avec leur token, dans 3 ans, il n'y en aura plus, je pense. C'est plus des galas, des machins qui vont cartonner, une Ouais, crypto quand pour t'as plein de accès à un jeux. réseau et que ça marche sur tous les trucs, Ouais. sinon ça, c'est comme les chaînes, hein, faut que ça soit interopérable, sinon ça fonctionnera pas. Ouais. Pas 15 000 tokens, pas 15 000 trucs. Bah regardez le Chiliz, hein. On aime bien le projet, mais en fait maintenant ils servent plus à rien. Tous les to tokens qui listent, tu peux les acheter n'importe où. Donc leur token ne sert à rien. Donc j'espère qu'ils vont évoluer pour 2022, mais pour l'instant, comme Ouais. on en a déjà parlé, je pense que le token il va se mourir un petit peu s'il bouge pas leur cul. Ouais, et puis moi je vois pour dans 2-3 ans, allez, on va dire 3 ans, moi je pense qu'on aura des wallets. Alors ça peut être comme MetaMask, sauf qu'on changera plus de blockchain en fait. Tout sera automatique, on verra rien. Et je pense que c'est ça l'avenir des crypto-monnaies. Parce que tant que ça Bah, sera, il le faudra changer de XDefi blockchain et Wallet, tout, ça va être compliqué. peut-être qu'ils travaillent dessus, hein. C'est pour être interopérable, mais pas comme MetaMask où il faudra choisir le réseau et du coup bah, tu changes de wallet. Ça sera Sam. automatiquement. Par contre, le problème, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire un contrat ou plusieurs contrats avec plusieurs transactions qui coûteront plus cher et voir comment ils vont faire. Ouais. Vous assurez les gars, votre boulot est top, merci. Je voudrais votre avis sur Fusion car le projet semble solide. Ben, on va le noter, moi ça me dit rien, je suis désolé. Ouais, j'ai Tu le noté notes. aussi, je vois qu'il y a... Ah, ouais, j'ai noté déjà. Ok, ça marche. Voilà, on le note et donc semaine prochaine, reviens nous voir et on t'en parle. Donc. La cryptomine, il y a Mehdi qui te pose une question. Cryptomine, ça devient quoi? La cryptomine. comment Je dire crois qu'il était cryptomine? enterré celui-là, non? Celui-là, il n'est pas parti au fond du ravin. Si, mais attends, ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être relancer un truc quand même. C'est pas clair du tout l'histoire. Cryptomine, je sais plus Surtout où ils en si vous sont. entendez ces mecs-là, ils disent qu'on va refaire un autre projet, il ne faut surtout pas les suivre, c'est-à-dire que les mecs ils vident les caisses à chaque fois en fait. Ouais. Mais Vite fait à vérifier quand à la base, il avait été annulé, même. hein, le cryptomine. Hein. Donc je comprends pas. Je. Ils ont remboursé les gens? Ah bah non, non, ils ont dit qu'ils annulaient et puis du coup, bah tout le monde s'est barré. C'est pour ça que la crypto elle avait fait moins 90.
Ils avaient fait pareil sur Falcode, le mec, je l'avais insulté, m'avait viré. Il y avait un projet que j'aimais bien, je travaillais pas mal. Bon, de temps en temps, ça nous arrive aussi de faire du shitcoin, mais on les fait dans nos coins. Et il y avait un truc, ça s'appelait Falcode X, je trouvais pas mal. Donc le mec, il fait son petit projet et tout. Et genre, ils sont pas rendus compte que le nom était déjà utilisé. Donc les mecs, je lui dis, bah c'est simple, tu mets 300 $ de ta poche, tu rechanges le contrat et tu swaps. Ouais, non, c'est relou de faire ça. Non, en fait, t'as juste pris l'oseille, maintenant tu veux te barrer. Et du coup, bah, le mec, il va bloquer. Après les mecs, je Donc, le mec, vais. il fait, le mec, genre, t'as un projet que tu travailles depuis 6 mois, 1 an, genre, pour un truc de contrat, tu le laisses tomber. C'est que tu savais que t'allais mettre une escroquerie, sinon tu repays 300 $ ou même 400 $ et tu refais un swap. Tu rechanges le contrat, tu rechanges le nom et tu dis au mec, bah, venez, le swap, ça m'effraie, c'est tout. Tu fais un effort. Alors, Potus, il te dit, notez aussi Jasmine. Hop, allez, Jasmine. En plus, Jasmine, c'est pas évident de trouver des infos sur celui-là. Quel projet est un peu en péril selon vous, comme l'exemple du Chili's? On ne dit pas qu'il est en péril, Chili's. Il y a quand même des beaux trucs derrière. Disons qu'on pense que la crypto elle-même va avoir beaucoup de difficultés à se faire valoir. Il y avait le Filecoin qui était une catastrophe aussi, si je ne m'abuse pas. Mais déjà, moi, je vais te dire, tu vas dans le top 100, tu regardes toutes les cryptos qui ont un truc en dessous de 10%, et tu peux les oublier. Toutes ces cryptos-là, tu peux les oublier. Honnêtement. Interopérabilité, c'est le futur proche, ouais, mais dit, c'est ce qu'il dit, ça va être une des grosses vagues 2022-2023. Je vais même dire aussi 2023, on va pousser un peu plus loin. Tu vois, le CRV, moi, j'en prendrais pas. Parce que le CRV, il y a quoi? Il y a combien d'EMI? Il n'y a que 13% des tokens EMI. C'est-à-dire que pour rester à ce niveau de market cap qui est à 2 milliards, il va falloir quasiment avoir 8 fois plus d'holders. Non, c'est pas. Moi, j'y crois pas. Et je pense Après. pas qu'il y aura 8 fois plus d'holders. CRV, c'est Curve. Hein. Curve, ils servent dans beaucoup de choses quand même. Hein. Il Ouais, mais le faudra problème, voir c'est qu'il après faut mettre 8 les fois plus liquidités. de Il faut gens. voir la TVL derrière. Faut voir la TVL derrière. Ils ont Ouais. beaucoup de trucs pour loquer. Bah Et oui, je mais suis au bout d'un d'accord moment, avec tu toi, le le fait qu'il déloques. n'y a pas beaucoup de jetons de faire, c'est qu'il va falloir que les gens ils assument leur achat, plus le market cap, il va falloir l'assumer. Le cadenas, il va falloir faire gaffe aussi, les gars. J'adore ce projet, mais n'oubliez pas que le cadenas, il n'y a que 16%. Donc là, il est 72e. Il pourra nous faire un pump si un. Pour moi, si jamais le marché repart en hausse, le cadenas, il repartira violemment en hausse. Mais par contre, il va avoir beaucoup de mal à survivre pour rester dans le top 50 après sur 3 ans, quoi. Donc tout ça, je me méfie. Le HT, pareil, le Bitoken, bon, non, ça va encore, il est à 30%, tu vas me dire. Mais il y en a, c'est une catastrophe. Le Gno à 95 là, si jamais on part en bière, c'est terminé. Ce token, il ne remontera plus jamais dans le top 100. Non, on ne peut pas dire plus jamais. Mais disons qu'il va falloir qu'il lutte comme un sauvage pour pouvoir y aller. Il n'y en a pas trop là dans le top 100 des tokens bien foireux. Il y en a, je connais même pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire gaffe, les gars. Caps, le projet français, vous en pensez quoi sur le long terme? Bah, c'est un projet Mignon. qui peut changer nos modes de vie, donc génial, tout simplement génial. Maintenant, voilà, il faut que ça prenne. Il n'y a pas que la France qui est concernée par ce type de projet. En Suisse, ils ont des systèmes similaires dans pas mal de pays. Donc le Caps, il peut vraiment se trouver un public, mais par contre, c'est du privé. Bah, c'est surtout dans le monde notarial et tout qu'il va trouver ça, quoi. Bah, pas forcément, tu vas me dire, tu pourrais très bien faire ta capsule toi-même. Non, c'est pas ce que je dis, pas forcément vrai. Bah moi j'aime beaucoup en tout cas, mais c'est plus au niveau du projet lui-même que la crypto pure quoi, je dirais. Oh, merci pour vos avis. Regarde, je sais plus sur quel avis on lui a donné un avis, mais il est pas content, Jonathan. Mais ça fait plaisir. Et le Shiba, bah le Shiba on sait pas. Il peut mourir comme il peut nous refaire un pump de malade. Moi je pense que les coins Doge, moins Dog, ils referont des pumps. Quand, je sais pas, après honnêtement, il n'y a aucune garantie. Ça peut être des explosions, ça peut complètement disparaître au profil d'un nouveau type de token. Franchement, avec les shitcoins, le problème c'est que ça dépend d'une hype et ça dépend de l'humeur des gens. Donc là-dessus, on te donnera aucune prédiction. C'est impossible, c'est impossible. Alors, tiens, question super intéressante, Apu. Comment tu fais tes calculs d'un projet en fonction du market cap et tes tokens EMI? C'est simple, en fait, tu pars du principe que, on va dire, 90% des projets déjà, ils libèrent pas tous leurs tokens dès le début. Donc, c'est pas le prix du jeu du token qui est important, en fait, c'est le market cap à se situer dans la. Enfin, comment je pourrais dire? Par rapport aux autres projets, en fait, en comparaison, en fait, quand tu as multiplié, tu vas te rendre compte que tu arrives à tant de prix en multipliant le prix par tous les tokens. Donc, tu fais X fois le nombre de tokens du projet. Et tu te rends compte que si ça devient
si le projet mérite plus ou moins cette place ou pas, en fait, tu essaies de situer par rapport aux autres projets un peu. Exactement. Donc après, tu as différents tokens. Tu as des tokens qui sont déflationnistes. Tu as les inflationnistes, mais on sait le pourcentage. Par exemple, les blockchains comme Ethereum, on sait que c'est à peu près 9% par an, un truc comme ça. Donc on est sur une inflation qui est totalement contrôlée et qui fonctionne bien. Maintenant, par contre, si on est sur une inflation, quand il y a une max supply, le problème est qu'on ne connaît pas l'inflation, ben on ne sait pas ce que ça va donner. Et ça, c'est super dangereux. Après, il y en a qui ils te disent de combien va être l'inflation. Il y en a qui la prévoient. Par contre, il y a des tokens qui sont déflationnistes. Le problème des tokens déflationnistes, c'est que les gens ont tendance à vouloir du coup bien holder. Et donc, tu as beaucoup plus de chances que les premiers entrants soient les gagnants sur les déflationnistes. Donc voilà, c'est des choses à savoir pour faire tes propres choix dans tes tokens. Parfois, tu trouves l'information dans CoinMarketCap. Il y a une partie où ils disent comment fonctionne combien de tokens en circulation. Et en réalité, ils te donnent un petit peu la gestion du token. Et quand elle n'y est pas, bah, il faut que tu arrives à choper le white paper. Et si tu le trouves pas, bah, tu fais gaffe. Parce que Il n'y a pas de white paper, ouais. c'est super. La tokenomie pour faire des choix vraiment invest pur sur le long terme, c'est indispensable d'avoir la tokenomie. Tu peux pas faire sans. Voilà. Mais il est quelle heure là, les gars? Je suis désolé, mais on va devoir arrêter. Les 2 heures sont passées. Alors, projet Everrise pour finir, parce que au début, ça avait la gueule d'un vrai shitcoin. Aujourd'hui, il propose plein d'outils. Est-ce que le token va réussir à pump? Je sais pas. Au cas où il propose pas mal d'outils et c'est pas du non déjà vu, mais au cas il y a du gros boulot derrière. Voilà. Désolé, on est obligé d'arrêter. On vous souhaite évidemment une bonne année, une bonne santé. Ça fait vraiment plaisir de tous vous voir aussi fréquents. Évidemment, n'oubliez pas de remercier l'équipe, de remercier Apoud. Coucou, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. De remercier Jopa s'il est là. Et merci à tous et meilleurs vœux. Je vois pas l'homme de l'ombre. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on essaiera des fois de faire des lives d'1 heure en cours de semaine. On va y réfléchir. Et les vendredis, bah, si vous aimez toujours autant, et ben on continuera à faire nos petits vendredis tranquilles, hors Oui, vacances scolaires. Ça vous va à tous? Je dis juste, je réponds vite fait, je vois un message de Gérard, oui, on a déjà parlé de Galion, tu verras, on remettra la rediff d'ici une demi-heure, 1 heure. Ouais, voilà, tu pourras aller revoyez le live pour ceux qui sont arrivés trop tard. Mais oui, on en a parlé. Et au pire des cas, si tu veux savoir ce qu'on en pense, on a fait une vidéo autour de Galéon. Voilà. Alexander, je vais te noter, si tu continues avec ton baby dodge le truc là, tu vois, trop tard, je vais pas être déjà supprimé, tu vois. Les gars, venez pas chiller parce que sinon on vous note. Moi, je note tout. Hein. Je vois qu'il y a des trucs qui me plaisent pas. Après, je vous vire. On se prend plus la tête. N'oubliez pas, hein, sur nos réseaux sociaux, le shield de shitcoin, le shield de petits projets qui sortent, c'est interdit. Et on banne énormément de gens qui s'amusent à venir faire ça sur le Telegram et tout. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Vraiment, ça a été un plaisir d'être avec vous. Et on se retrouve au plus tard en live vendredi prochain. Et peut-être également un live d'1 heure dans la semaine. On verra ça ensemble. Allez, ciao, à la prochaine! Bravo. Bravo. Ciao, ciao. Ça aurait pu être bien, Pierre.